Quand on venait envoyer les cœurs, bonjour à tout le monde. C'est un petit live. Hein. C'est un petit live. Même pas les commentaires. Même pas les commentaires. Joséphine le grand bonjour. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Envoyez les cœurs. C'est un petit direct. Partageons, on atteint le nombre. Partageons le direct. Invitez, taguez tout le monde. Combien? C'est un petit live. Je vais dire que je vais parler. Je ne sais pas pourquoi. Vous venez me menacer en inbox que si je viens à Paris parce que j'ai fait le poste que je soutenais quelqu'un. Vous venez vous les manier, vous m'appelez. Tu m'appelles avec un numéro inconnu. Tu crois qu'il n'a pas reconnu ta voix? Ça, tu me dis que si je viens à Paris, je regarde mon derrière. Regarde-moi les gens, Paris vous appartient. Ça, on me dit que si je viens à Paris, je regarde mon derrière. Paris vous appartient, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Vous êtes compris avec quoi? Hein? Je fais mon poste, vous venez me menacer en inbox. Je fais mon poste, vous venez me menacer en inbox. C'est vous qui avez Facebook. Vous n'avez pas Facebook? Puisque tu m'appelles au téléphone, tu me dis que si je mets mes pieds à Paris, il faut que je regarde mon derrière. Vous allez me faire quoi, vous les pipimaniens? Parce que dans la vie, on simplifie le game de Facebook, cela. Vous êtes capables de tout, vous les sales pipimaniens, là. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas vous, les petits nyama nyama. Si j'ai beau ça, ce qui arrive ici en Italie, ce n'est pas vous. Si je dois mourir, je vais mourir le jour que le Seigneur a décidé, mais pas que c'est une petite intimidation. Pardon, partageant le direct, mes chers frères et sœurs. Ce matin, je fais mon poste. Pourquoi j'ai fait ce poste-là? Hier, quand j'ai fait le poste sur la fille d'Étoile Criquet, les gens ont écrit en commentaire que Nicole, elle a le droit de donner son point de vue. Ce que vous dites est que les gens ont le droit de donner leur point de vue. Pourquoi quand moi, je viens faire mon poste, vous refusez? Vous dites que non. Vous venez jusqu'à Nimbor, vous m'appelez pour me menacer au téléphone. Que je ne fais pas, que je fasse le poste. Si je mets mes pieds à Paris, je veux voir ce qu'ils cherchent. Pourquoi d'autres personnes sur Facebook ont le droit de donner leur point de vue? Pourquoi pas moi? Donc, il y a les gens, il y a les catégories des gens qui ont le droit de donner leur point de vue sur Facebook. Est-ce que vous avez écouté ma version? Non. Parce que vous dites que moi je suis en guerre avec Pipi. Qu'il faut que je laisse l'affaire de la guerre là. Ce n'est pas question de guerre, mes chers mamans. Je devais respecter cette maman, Geneviève Ngontama, et respecter mon tonton Séverin. Parce que Pipi elle-même, elle a dit que les blogueuses parlent de ce sujet.
Pipi a même dit dans son direct qu'il faut que les blogueuses doivent parler. Même sa petite sœur a dit qu'il faut que les blogueuses sortent. Parle de ce sujet, mes chers frères et sœurs. Partageons le direct. Je voudrais toujours dire que moi, je suis les pas de Pipi. Vous n'avez pas voulu m'écouter. J'ai supprimé le poste. Même une maman a dit que Nicole enlève le poste de pleurs. J'ai supprimé le poste. Le jour que l'affaire que... Vous vous souvenez le jour qu'on avait chassé Pipi chez l'affaire des Bicocs. Là-bas, à Monaco. C'était à côté de Monaco. J'ai fait le direct ici, non. J'avais fait le direct ici pour vous dire qu'on a chassé Pipi. Que c'est la femme Langontama qui invite Pipi à Monaco, non. Les Bicocs ont chassé Pipi. Pipi a fait les vols pour dire que Facebook, il y a trop la sorcellerie. Donc, on parle qu'elle a chassé à la fête des Bicocs. Elle avait fait le direct avec la mère là. Avec la maman là. La maman là, c'est elle les directs. Je ne vais pas entrer dans la vie privée de la maman avec son mari. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi n'avez-vous pas voulu écouter ma version des faits? C'est quelqu'un qui avait cette maman là, qui la connaît, qui est venu me donner le secours. Il fallait m'écouter. La maman elle devait rester comme ça, confirmer que la petite fille s'y prend ça. Pourquoi n'avez-vous pas voulu m'écouter? Pourquoi n'avez-vous pas voulu écouter ce qu'elle devait vous dire? Ce n'était pas parce que je venais venir manquer le respect à cette maman. Je dit que je ne venais pas manquer le respect à cette maman. Non! Je venais vous dire quelque chose. Que d'où vous n'avez pas vu. Je venais vous dire quelque chose d'où vous n'avez pas vu. Mais vous avez accepté que les gens m'abat. Les gens sont venus que Nicole ne mêle pas maman Pépé et ma faux. Moi, j'ai 35 ans. Je suis venu sur la toile défendre ces deux mamans. Et que moi, je ne les trahirai jamais de la vie. Même si je passe, mais d'après l'année prochaine, je vais commencer ma formation. Il faut commencer quelque chose. Même si je passe sur Facebook, vous n'allez jamais me voir quelque part en train de dénigrer. Non. Je suis responsable de mes actes. Si je pars au Cameroun, je n'ai jamais écrit que c'est maman Pépé ou ma faut qui m'envoie. Je suis responsable de mes propres actes. Quand je fais un poste, si c'est maman peut faire un poste, ma faut peut venir dire que ma fille enlève le poste, je peux enlever. Je suis responsable de mes actes. Vous n'avez pas le droit de me dire que Nicole, j'ai le droit de donner mon point de vue. Je suis quand même une petite blogueuse. Pourquoi ne m'avez pas laissé donner mon point de vue? Pourquoi ne m'avez pas laissé, je vous dis ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi ne m'avez pas laissé dire ça? Pourquoi? Jusqu'à vous avez permis que les gens viennent me menacer en divorce. Que si je mets mes pieds à Paris, je veux voir ce qui va se passer. Une dame qui m'appelle, une pipi mania, elle dit qu'elle est du côté de Pipi. Elle m'appelle. J'écoute la voix des Pipi à côté. Elle m'appelle, elle me menace en divorce. Que si je mets mes pieds à Paris, je veux voir ce que je cherche. Parce que j'ai fait un poste. Alors que c'est Pipi elle-même qui a dit que les blogueurs viennent soutenir cette dame. Je vais venir soutenir la dame aveuglément. Le jour où la dame est partie à chez, comme je vous expliquais là, la dame est partie avec Pipi à côté de Monaco. Est-ce que vous savez que la dame là, elle ne passait pas dans la chaîne de Pipi? Non. Elle cherchait une blogueuse sur la table où elle devait passer. Un jour, la petite soeur de Pipi faisait un live. La dame est venue mettre un commentaire. La dame est venue mettre un commentaire. Elle a dit bonjour. C'est comme elle a dit que. Elle a demandé comme ça que je vais passer dans une chaîne de télévision. Pipi appelle la dame. Elle dit à la dame là que c'est mieux que tout le monde se rencontre parce que j'ai une émission qu'on appelle à cœur ouvert. La dame dit que je vis à Nice. La dame ne vit pas à Monaco. Elle vit à Nice, pas à Monaco. Elle vit à Nice. La dame dit que, ok, comme les Bicocs organisent une soirée là, je vais t'inviter alors. Pipi dit à la dame que, pourquoi tu m'invites? La dame a payé le billet d'avion, payé l'hôtel de Pipi, tout et tout. Pipi est arrivé à la soirée des Bicocs. La dame a payé la bille à Pipi. Pipi est arrivé à la soirée des Bicocs. Le jour-là, on a même humilié Pipi à la soirée des Bicocs parce qu'on ne voulait pas Pipi là-bas. Maintenant, la dame maintenant a expliqué son problème à Pipi. La dame a expliqué son problème à Pipi. Elle a dit à Pipi qu'elle fait les directs de temps en temps. Il faut quand elle vient avec les preuves. La dame fait les directs de temps en temps. Ses directs sont sur YouTube depuis l'année passée qu'elle a commencé la guerre avec son mari. Mais elle n'était pas connue sur la toile.
Pipi demande à la dame que pour que moi je partage tes directs, il faut que tu commences d'abord à faire les directs pour que les gens des réseaux sociaux te connaissent avant que tu passes à ma chaîne de télévision. Pipi demande 5000 euros à la dame là. Si vous vous souvenez bien, Pipi demande 5000 euros à cette dame pour partager ses directs dans sa page, pour que la dame s'exprime. Pipi a pris 5000 euros à la dame là. La dame commença à faire les directs. Elle commença à parler. Et c'est un problème qui... Et quand la dame est entrée en contact avec Pipi, je n'écris pas derrière, vieille peau. Je n'écris pas derrière, vieille peau. Je vais dénoncer. Je n'écris pas derrière. Je serai à cœur ouvert. J'explique seulement un peu ici. Quand la dame est entrée en contact avec Pipi, il y a une dame de Monaco qui m'a contacté, moi. Qui m'a contacté, moi. Elle m'a tout expliqué. Le chassement de Pipi. L'argent que Pipi a pris à cette dame. 5000 euros. Pour lui. Qu'elle parle de son problème. Pour que elle partage sur sa page. J'étais au courant de tout. Quand elle a commencé à expliquer les problèmes de son mari. Elle a commencé à expliquer le problème de son enfant. Maintenant. La dame a programmé de passer à cœur ouvert. À cœur ouvert. Elle a payé Pipi pour passer à cœur ouvert. La copine de la dame me dit, ma fille. La copine de la dame me dit, ma fille. Voilà, son mari est passé à une chaîne de télévision. Il est passé à RTM. Il est passé à la chaîne Bantou. Vous savez que les chaînes de télévision au Cameroun ne sont pas vues sur les réseaux sociaux. Les chaînes de télévision au Cameroun ne sont pas vues sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas la visibilité. Par contre, sur Facebook, il y a plus la visibilité. J'ai écouté le direct de son mari à LTM, à la chaîne Bantou. Quand la dame là m'a envoyé ça, j'ai gardé ça quelque part. La dame là m'a dit que c'est l'ami de la dame là qui est venue me contacter, que la dame là c'est une menteuse. J'ai dit que ok, j'ai pris ça, j'ai mis ça de côté. Quand la dame passe chez Pipi, la dame n'est jamais blessée. Si je mens, que la dame là montre son convoi. Qu'est-ce que Pipi dit à cette dame? Pipi dit à la dame là, quand tu vas passer à ma chaîne à cœur ouvert, pour que ça puisse faire le buzz, tu fais semblant de tomber. Demandez à Pipi de vous montrer la dame là à l'hôpital. C'est une personne qui sort de là-bas qui m'a dit, demandez à Pipi de vous montrer si la dame là était à l'hôpital. Non, la dame là n'était pas à l'hôpital. C'était une stratégie pour s'évanouir, pour que les gens l'entendent. Mais vous ne m'avez pas fait. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous n'avez pas voulu que moi je parle de ça. Mais j'ai été menacée. Je ne peux pas ça. Que la dame là vient vous dire pourquoi son mari, son enfant est mort. Qu'elle vient vous dire pourquoi son enfant est mort. Allô? Et le bruit est ma mère. Il y a le bruit, ce qu'elle a descendu. Vous voyez comment vous avez fait. N'ayez pas voulu que moi je vous explique le problème. Moi, j'ai été menacée en une fois. C'est ma vie qui en dépend. Je lave mes mains dessus. On dit que où est passée la solidarité féminine? Vous avez écouté le dossier? Vous avez écouté le dossier? Il y a la solidarité féminine, ma soeur. Mais à un moment donné, écoutez d'abord la version de quelque chose. Je vais venir vous mettre la version que vous écoutez. Je devais venir vous donner la version que vous écoutez. Je vais venir mettre la version de son mari que vous écoutez, comment son mari a dit, laisse-la expliquer leur séparation avec sa femme. Allô? La femme là vend le piment. Oui, là, c'est bon ou pas? C'est bon. Bonjour à tout le monde. Mm-hmm. Nicole, il faut que tu mettes d'abord à ta tête que tu es une blogueuse. Mm-hmm.
tu es une blogueuse autant que tout le monde, que personne ne te fait peur. Tu as compris, non, Nicole? Quand tu gères un dossier et que tu sais que tu as envie de le parler, que tu assumes ce que tu dis et que tu peux te protéger d'abord par rapport à ce que tu veux dire, même pas peur. De un. Et de deux, cette histoire, tu nous avais dit. Et tout ce que tu nous avais dit, on a vu. On a vu. Ne viens pas dénoncer tes gens qui te donnent les infos. Non, ne dénonce pas. Le jour où ça va chauffer devant, pas sur Facebook, parce que Facebook, c'est la stratégie. Pas sur Facebook. Oui. Tu vas utiliser ça. Tu vois les étoiles qui viennent là, ils font, ils parlent, Ils gardent beaucoup de balles qu'ils utilisent le moment venu. Bien sûr. Voilà. Que personne ne t'effraie sur Facebook. Personne ne doit t'effraie. Tout ce que tu as dit et ce que tu dis par rapport à l'émission, je jure, Nicole, j'ai pensé la même chose. Mais c'est là. Que tout le monde au cinéma, là, c'est un théâtre. J'étais malade. C'est pour ça que je n'avais pas voulu parler de ça. Mais c'est l'autre de Conti-Conta qui m'a fait sortir de ma maladie pour venir parler. Mais si je n'étais pas malade, je sortais pour dénoncer ça. C'est infiniment. Parce que quelqu'un ne peut pas tomber, soi-disant. Et tu as même le courage de faire le live pour faire quoi? C'est le cinéma. J'ai compris ça. Pourquoi les gens ne baignent pas? Personne n'a cru à ça. Personne n'a parlé de ça. Même il faut se moquer de tout à l'heure, bien même. Maman, on m'a menacé, on m'a appelé pour me menacer. Il y a une dame qui m'a appelé en tout téléphone pour tester mes pieds à Paris. Il veut voir que je regarde mon derrière. Parce qu'il a fait le poste qui est venu parler de ça. On ne m'a pas dit la barbe panda au Cameroun, Paris. Paris, si. Si tu attends la barbe panda, pas à Paris. Il ne faut pas avoir peur. N'est-ce pas, Michael Jackson a dit qu'elle va m'arrêter, elle va me taper. Ne te dérange pas. Michael Jackson, elle me menace aussi, non. Vraiment. Maman. La peur est sale. Les trucs comme ça, tu publies. Tu publies les numéros des femmes, les gens qui t'appellent, tu les publies bien même. Faut même pas avoir peur. C'est parce qu'elles ont compris que tu as plein des informations. C'est parce que toi aussi, tu as une stratégie que tu parles seulement good, toc, 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 toc. Si tu étais le genre que tu parlais, c'est que tu as tué le buzz là depuis. Bon, peut-être tu as les gens qui t'appellent derrière, qui te disent de ne pas parler, tu ne parles pas, tu les écoutes. Bien sûr, parce que la fête qu'elle est tombée là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Non, elle est venue me dire que c'est le mensonge. Je suis restée, tu restes tranquille. Je me disais que Pipi n'est pas fait passer la famille, mais comment quelqu'un qui est parti à l'hôpital nous poste les papiers de cet hôpital où Pipi a fait le direct en route là. Que ça envoie les papiers. Vraiment. Vraiment aux urgences. C'est du mensonge, Nicole. J'ai vu ça le même jour. Je n'ai pas coupé le cou. Tu sais que la femme là, parce que les gens m'ont étouffé. La fête, si. Elle sait que la dame là vit en Europe avec son mari. Et son mari était là. J'ai même pas envie de parler, franchement. Les gens m'ont. Tout le monde a même vu. La fête, si elle louche. Nicole, tu es une blogueuse. Écoute-moi, Nicole. Si c'est les gens qui t'ont dit ça, c'est les gens qui te protègent, écoute-les. Mais si c'est les gens qui ne veulent pas que tu parles, parce que c'est tout ça là qui fait aussi que ton blog, les gens te suivent, parce que tu dis les choses. Bien sûr. Tu comprends, non? Tout ce que tu as dit là. Tu as dit, tout ce que tu as dit là, on a tout vu. Mais le truc, c'est que tu ne parles pas une fois. Tu viens, tu as deux voix, tu nous mets un demi, tu laisses encore l'autre. Mais même pas tout, mais mets quand même un peu pour qu'on comprenne. Arrête de nous donner demi Japan. Si tu tiens le buzz ici là depuis, on parlait plus de ça à la télé. C'est ça, hein? Voilà, tu nous expliquais ça depuis.
Peut-être même c'est chez toi que l'Angola devait venir. Pipi a pris 5 000 euros, qu'elle a fait quoi? Pipi a pris 5 000 euros à la dame là pour partager ses directs sur sa page. Elle a alors partagé. Ça a fait quoi alors? Maintenant, le jour que papa faut quitter la maison, c'est le jour que Pipi pas fait, Pipi pas programmé avec quelqu'un doit venir passer à cœur ouvert. Mmh. Oui, le jour là, elle pas programmé avec quelqu'un. Quand elle était à Nice, quand ouais, tout ça. Okay. Hein, ce jour qu'elle a pas dit programmé avec quelqu'un doit venir passer à cœur ouvert. C'est là que Pipi a de la stratégie de faire. Parce que Pipi sait au fond que la dame a raison. Tu ne peux pas être marié avec un homme avant de l'aimer. Tu es marié avec un monsieur. Mais tu vis en Europe avec un autre homme. En Europe. Tu dois vivre en Europe avec un autre homme. L'homme doit rester au Cameroun t'attendre. Sois réaliste. Mais quand on parle alors l'histoire, tu nous dis, tu as le bon dossier. Avec le. Tu te supports alors, organise. Les mamans entrent, non. Toi, tu entres. Maman dit entre. Les mamans entrent dans le point de vue. Parce qu'il faut qu'on éclaircisse ça. Elle n'a pas dit la vérité chez Pipi. Hein. Parce que le monsieur s'est passé. Il est passé à la fenêtre. Attends, je joue à la fenêtre. Parce que je n'aime pas parler les trucs comme ça cachés. Il faut assumer ce qu'on dit. Oh non. Attends, je joue à la fenêtre. Comment les gars, Riquet. Aussi. Comment elle a conçu la maison à donner un homme? Comment tu peux être marié avec monsieur? Tu l'es ton mari en Europe, au Cameroun. Tu pars vivre avec notre homme en Europe. Pour l'homme doit rester d'attendre parce que tu donnes l'argent. Vous aussi, écoutez aussi la version de ce monsieur. De temps, on écoute la version. D'accord. Hein? Les gens écoutent la version du monsieur. Il va dire, c'est ici. Est-ce que je mens? On m'avait envoyé ça depuis. Quand la dame a rencontré Pipi, les gens sont venus à l'immense me donner la partie de passer à Equinox. Est-ce que moi, je me fais les choses dans la dentelle? Moi, je ne vante pas quand il fait mes choses. Parce que voici ici. Hein? Le monsieur est Nicole, ici. Qui est passé Nicole, à Nicole, si tu connais l'histoire, alors. Le voici. Explique-nous un peu l'histoire là, parce que moi je connais pas l'histoire. Explique-nous un peu l'histoire et comme ça nous on va monter, on va donner notre point de vue. Parce que pour l'instant on a suivi seulement la version de la femme et son cinéma. Ouais, cette dame, madame, je te parle à visage découvert. Où tu es déjà tombé et venu une fois. Hein. Mais le tout, c'est ce qui s'est passé chez Lolo à corps vert TV. C'est du pur cinéma. C'est du pur cinéma. Vous avez raté votre coup. Tu ne peux pas être avec une personne. La personne est en train de faire les malaises. Tu as le temps de faire les directs. Parce que rien que la panique te fait, tu oublies même le numéro de téléphone de ton enfant. Donc, Lolo, laisse-nous ça. Ça ne nous a pas pris. Si tu n'as jamais eu quelqu'un qui est tombé, vanné ou bien eu malaise à côté de toi, tu ne saurais même pas, même la panique va te faire, tu ne saurais même pas quoi faire. Arrête. Michela, les pompiers sont où? Appelle les pompiers, non? Les gens, attends, n'importe, vous nous prenez pour les qui? Depuis mensonge. Madame, ce que tu as fait là chez Pipi, c'est du cinéma. C'est Ndolé Miondo qui a dit, ne pas porter plainte à Nicole, porte-moi plainte. C'est du cinéma. Pourquoi c'est du cinéma? Quand une personne tombe. Vraiment. Pourquoi couper alors? Si vous avez voulu nous montrer. Pour après faire un direct, vous dites que appelez les pompiers. Allez, Michela, les pompiers, ouvre la porte. Ouvre. Pour quelques jours, minutes après, les urgences. Monsieur Judas, vous le prenez pour les qui? Non. C'est le faux et usage faux. Tu veux qu'on parle de l'histoire de ton mari? C'est une histoire que tu nous as expliquée. Moi, ça m'a touché. Vraiment. Mais ne rajoute pas. Parce qu'en voulant trop rajouter, c'est pas ça qui va faire que la réalité ne va pas se connaître. Les internautes, on n'est pas bêtes. On n'est pas fous. Quand il y a une histoire, on cherche à comprendre. Si ton histoire là était vraie, tout comme ça s'est décrit là, c'est que le besoin est passé. La preuve en est, c'est passé depuis dimanche. Qui a parlé de ça? Personne. Personne. C'est mort. C'est même Nicole qui a tenté de vouloir parler de ça. C'est mort. Parce qu'elle a encore passé hier chez Pipi. Elle a encore passé hier. La version qu'elle a encore. C'est mort. C'est
un berger qui est mort. Parce que moi, j'ai vu Vasséo se moquer même de ça. Vraiment? Donc, le cinéma là, c'est mort. Mais oui, Nicole, nous sommes là pour nous les femmes, mais on a aussi les enfants. Mm-hmm. On a aussi les frères. C'est pas parce que féminine ou quoi. Pipi a eu ses 5000 euros. Nous, on doit faire le travail. Qu'elle partage 5000 euros et puis nous, on travaille. C'est tout. Elle a eu 5000 euros. La dame lui a donné 5000 euros pour partager tes directs. Partage 5000 euros, nous tous. Et puis, on va parler de ça. On va aller porter les cabas. Marcher nous là-bas pour faire sur la solidarité féminine. Eh, ma juste, nous, on travaille. Maman, dormez là. Nico, je dis que c'est un Shiba que tu as knock depuis le premier jour. C'est parce que les gens sont en train de t'effrayer. Mais bien sûr. Les gens sont en train de t'effrayer. Si tu ne veux pas, donne-moi alors le dossier. Donne-moi le dossier. Moi-même, je suis devenue blogueuse. Je suis devenue blogueuse. Parce que celle-là qui mange les galettes du nez, là, je vais finir avec sa race. Qui est sur la vie de Pépétu. Moi, je vais fuir avec son esprit. C'est bien ça. Il faut finir avec elle, les agents. Voilà. Donc, si tu as quelque chose à nous dire, dis-nous, je te suis, je vais remonter après. Donne-nous un peu le dossier. À tout de suite. À tout à l'heure. Ouais, que ma femme de l'émion de... Pardon, ouais, qu'elle dit que, mes gens, soyons dans la logique. On dit qu'il y a la solidarité féminine, mais quand il y a le mensonge, venons quand même dénoncer le mensonge qui ne va pas. Nous sommes tous des êtres humains. Tu ne peux pas être en Europe. Tu as laissé ton mari en Afrique, dans la maison que tu as dit que tu as construit. Tu es en France, tu es marié avec un autre homme. Pendant que l'autre homme monte sur toi tous les jours. Donc, ton mari doit rester t'attendre en Afrique comme ça, là, sans prendre une autre femme. Soyons dans la logique, mes chers frères et sœurs. Hein? Quand la dame vient nous dire la vérité, hein, comment elle verse le socorro? Elle vient dire la vérité. C'est une dame qui vit à Monaco qui m'a raconté l'histoire. Elle vit avec un autre homme pendant qu'elle était mariée avec son mari. Donc, son mari doit rester l'attendre comme ça, la preuve baisse. Donc, il doit rester dans la niasse avec d'autres gars. Pendant qu'elle niasse en France avec l'homme qu'elle a épousé en France. Vous aussi. Hein? Avec tous les coups, elle vend le dongo. Qu'elle vient dire la vérité. Hein? Maman vient dire la vérité. Même moi-même, je suis la solidarité féminine. Mais le tout, si tu as menti, viens dire la vérité que tu vends le dongo. Viens dire pourquoi tu te sépares avec ton mari. Parce que voici d'où il vient parler avec. Voici ici. Voici ça. Le voici ici. Il vient expliquer au camp. Ici, là, dans la chaîne de TV, aussi. Il dit la distance qui a détruit mon mariage. Viens parler. STM, c'est une chaîne qui n'est pas visible. Il n'y a pas la visibilité. Facebook, c'est une chaîne qui a la visibilité. Cette femme, c'est la stratégie qu'elle a fait avec Pipi. Le monsieur ici est passé il y a 4 mois à STM. Il a expliqué son problème. La femme faisait les directs, elle faisait les directs, mais elle n'avait pas de visite. Dès qu'elle est entrée en contact avec Pipi, Pipi lui a donné la stratégie comment faire. Pipi, tu vois une femme qui est en détresse, tu lui prends 5000 euros pour partager ses directs dans ton live. Parce que tu lui as dit que tu partages ses directs, même si elle manque, les femmes sur la toile vont prendre son parti. Alors que tu connais le problème qui se passe. Qu'elle vient nous dire, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle a perdu son fils? Moi, je suis avec toi, maman. Maman, moi, je suis avec toi. La dernière fois, tu as fait un direct, tu as entré, tu as dit que quitte derrière Pipi. Viens dire que quitte derrière. Derrière cette femme, elle va te noyer parce que les gens ne l'aiment pas. Quand tu es entré en contact avec elle, boum, j'ai connu ta vie. Je sais que tu vis avec un homme. Tu connaissais. On est venu me dire que tu vis avec un homme. En dehors de ça, tu vends le piment. Tu vends le piment. On est venu me dire en Ibos. Qui derrière Pipi,
maman. Dis la vérité aux Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari? Tu n'es pas la première femme de ce monsieur. Le monsieur s'est perdu. Il a perdu sa première femme. Il a tout expliqué ici. Il a tout dit ici. Voici ça ici. Il raconte son histoire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parle? Voici c'est ici. Il raconte son histoire. On m'a tout donné. On m'a tout envoyé ça. Il raconte son histoire comme il a perdu sa première femme. Tu n'es pas la première femme de ce monsieur. Mais quand il t'entend parler, dit dans la cité que tu es sa femme. Est-ce que tu es sa première femme? Non. Tu es sa première femme. Tu n'es pas sa première femme. Maman, je n'ai pas un compte. La réunion Bicoc t'a dit de quitter derrière Pipi. Pourquoi on chasse Pipi à la réunion de Bicoc? Pourquoi on la chasse? Parce que ce n'est pas une personne qui est bonne. Elle n'a pas un mauvais fond. Elle a un mauvais fond. On a dit que quitte derrière Pipi. Nini ne parle pas. Que les gens. Nini. La réunion Bicoc, on t'a dit de quitter derrière elle. La réunion là, on t'a demandé de quitter derrière Pipi. Maman Geneviève, que tu quittes derrière cette femme. Et là, comment elle t'a demandé? Je vais mettre, vous allez écouter un peu la version de son mari. Hein. On va parler. Tant pis pour les gens qui vont dire que Nico, on t'a demandé pas parler, non. Pourquoi les gens m'appellent sur? Pourquoi les gens m'appellent à Messenger? Pourquoi on ne voulait pas comment je parle, non, mon frère? Vous aussi, non. Pourquoi on ne voulait pas comment je parle de ça? Hein, vous ne voulez pas comment je parle de ça. Hein? Vous allez monter, donner votre point de vue. Elle est passée chez Pipi, non? Elle est passée chez Pipi. Montez, vous donnez votre point de vue. Si vous ne voulez pas comment je parle de ça. Parce qu'on m'a dit que Nicole ne parle pas, m'envoie le message pour dire que Nicole ne parle pas de ça. Elle est montée chez Pipi, non? Elle peut aussi venir monter chez moi. On écoute d'abord la version de son mari. Oui, allô? Oui, bonjour. Ça va bien. Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute, maman. Bonjour, Nicole. OK. Ok, maman, ok, mais... Oui, bonjour, ma... Bonjour, ma. Donc, moi, j'appelle simplement pour te dire que tu peux parler, mais ne prononce pas son nom. Son mari n'est pas gigolo, son mari, je fais un journaliste au Cameroun, donc, elle arrête de raconter des bêtises. Hein? Donc, c'est vraiment en gros. Il est journaliste, donc, du coup, il peut parler, mais il n'appelle plus son nom. C'est une femme qui... voilà, elle ne met pas très bien dans sa tête, hein, franchement. Donc, c'est ce que moi je voulais te dire. N'appelle pas le nom, tu parles, mais sans appeler le nom. Voilà. Oui, elle n'appelle pas son nom, c'est vrai. Okay. Bon. Merci beaucoup. Ouais. Attendez, on va écouter la version de son mari qui est passé à RTM. On va écouter une petite partie. Parce que c'est vraiment beau de venir salir les enfants des gens sur Facebook. Parce que Pipi est très forte. Pipi est pour ça, pour ça, Pipi est très forte. Pipi, il dit que pour ça, tu es champion pour détruire la vie des gens parce que tu veux la visibilité. Donc, tu crois que tu vas venir prendre l'argent pour salir l'image d'un homme, tu mens. L'atmosphère, on choisit le tutoiement, vraiment. Oui, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, avec moi, on va parler de ton jardin secret, de ton côté rose, encore de ton carnet rose. Ça dérange? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, je serai obligé de jouer le jeu. D'accord. Alors, on va parler, qu'est-ce que Sam Séverin vous pense du mariage? Bon, le mariage... C'est une institution, c'est quelque chose qui est institué par les hommes et par Dieu. Et
Lorsque vous avez la chance de faire un bon mariage, je crois que tout votre bonheur dépend de là. Et je pense, pour aller très très vite sur la question, je pense pouvoir dire que ça dépend beaucoup de la femme. La réussite d'un bon mariage dépendra beaucoup de la femme, de ses qualités, de ses valeurs intrinsèques d'abord, de ses qualités spirituelles, parce qu'aujourd'hui, moi je suis un peu chrétien aussi, sans être complètement irréprochable, je dirais les qualités qui sont rattachées à l'esprit sont celles-ci-là. Mais bien sûr, c'est une histoire publique. Un de l'un million d'or, c'est une histoire publique. C'est un peu un truc qu'on doit cacher. Oh mon Dieu. Ouais, c'est une histoire publique. Écoutons. La piété, bien sûr, mais également la douceur, la compréhension, le sens de la maîtrise de soi également. Dans ce sens, toutes ces choses-là, si elles sont contenues en une femme, vous serez un homme heureux de croiser ce type de femme-là. En plus, évidemment, je ne veux pas m'en cacher, il faudrait d'abord qu'elle soit une femme que vous aimez, de par même sa stature physique également, parce que ça se joue à ces niveaux. Lorsqu'on parle d'un couple où doit intervenir l'intimité, il faudra nécessairement qu'il y ait de l'alchimie à ces niveaux-là. Donc, il faudra beaucoup de respect et de loyauté dans ce couple. Donc, le mariage est bien, mais je pense que de nos jours, c'est une institution qui est de plus en plus calvaudée, parce que nous sommes la plupart des hommes de la terre désormais plus portés vers des choses qui sont anachroniques, qui ne sont plus en harmonie avec ce que Dieu a demandé de faire. Parce que par rapport à ce mariage, l'une des valeurs auxquelles moi je suis attaché, c'est la soumission de la femme. Et la soumission de la femme ici ne voudrait pas dire forcément que l'homme va se contenter de piétiner cette femme-là, mais la soumission de la femme voudrait simplement dire que la femme, à un moment donné, quel que soit le niveau d'exacerbation du conflit, prendra toujours sa place. Dès qu'elle sera faite, nous le sommes assez faibles face à une femme qui pleure, par exemple. Face à une femme qui s'abandonne. Face à une femme, quel que soit les moyens qu'elle peut avoir, si elle vous donne ce respect-là, c'est vraiment ce que moi j'appelle soumission. Mais je voudrais savoir si ça me serait un goût. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que le mariage est une fin en soi? Bon, c'est une question qui revient très souvent, mais c'est une question bien camerounaise. Mais je dirais que c'est vraiment un idéal atteignable qu'il faut atteindre nécessairement pour tout le monde. Si vous n'avez pas cette chance-là, je pense que vous aurez de la peine à pouvoir, j'allais dire, bien vous réaliser. Hein, bon. Maintenant, et tout ça. Bon, comment rester en couple sans être marié? Je pense que si vous avez suffisamment rassemblé des raisons. Tu es marié. Je suis en couple, on ne sait jamais. Bon, disons que j'ai bel et bien d'abord déjà connu le mariage. Malheureusement, j'ai bien le sentiment que peut-être ça ne réussit pas beaucoup parce que Dieu ne m'a pas permis d'aller au bout de mon union avec la belle jeune femme qui avait été mon épouse à l'époque, qui a été la mère de mes enfants, qui s'en était allée à un âge vraiment à peine 26, 27 ans, vous voyez. Donc, c'était un drame pour moi à l'époque déjà, sur lequel je peux revenir, pour la mémoire de Rachel, qui était donc l'épouse et qui a permis que je puisse rester avec des bien jeunes, jolies jeunes filles aujourd'hui qui ont grandi. J'aurais bien voulu la voir assister à l'éclosion de ces enfants-là, parce qu'il y a la toute dernière d'ailleurs qui n'a pas l'image même de sa maman et qui a aujourd'hui, qui a 16 ans, qui a déjà eu son BPC et tout, et on lui montre seulement les photos. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu assez difficilement, avec beaucoup de peine. Et lorsque d'ailleurs est intervenue cette disparition en 2008, de suite d'un accouchement difficile, je n'ai pas bien eu la chance de me relever. Hein. Donc j'ai eu du temps à pouvoir me refaire mentalement, mais heureusement j'avais quand même été bien entouré de temps en temps avec beaucoup d'amis et beaucoup, beaucoup de soutien et de la famille et ses enfants même également. Donc beaucoup d'années sont donc passées, donc j'enchaînais une relation une après l'autre parce que je n'arrivais pas à trouver l'équilibre. Voilà, essayer de me retrouver. Bon. Et puis il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans, est intervenue une union qui a débouché sur la signature d'un autre acte de mariage ici au Cameroun. Mais là, il n'y a pas eu, j'allais dire, nécessairement
de faire les précautions que j'évoquais tout à l'heure pour qu'on y aille. Donc ça s'est terminé très très vite parce que c'était une rencontre virtuelle. D'accord, on va dire que quoi, tu n'as pas bien étudié la femme avec qui tu allais à la mairie. On n'a pas eu le temps de bien s'étudier. Elle non plus n'a pas eu le temps de découvrir que j'étais le personnage que je suis, que j'avais les qualités ou les défauts qu'elle me reproche également. Moi non plus, je n'ai pas véritable. Donc, en conclusion, le monsieur, si sa première femme était morte, Nicole prend Lisette à Kounou, elle veut monter. Elle dit qu'elle m'envoie la demande. Lisette Akounou, envoie-moi la demande. Si tu es là, Yves, je ne vois pas. Lisette Akounou, si tu es là, envoie-moi la demande. T'as essayé de te chercher. Quand je vous dis que les gens partent dans les chaînes de télévision, ils ne disent pas la vérité. Le monsieur ici avait perdu sa femme. Donc, il avait perdu la mère de ses enfants. C'est normal que il ne s'en revenait pas et tout et tout. Il a eu les rencontres. Donc, comme elle dit que le monsieur était un gigolo, c'est le mensonge. Comme elle dit que le monsieur était un gigolo, c'est le mensonge. Il n'a pas étudié la mère, la femme qui est passée chez Pipi. Voilà ce qu'il a en fait de dire. On va écouter. On n'a pas voulu que moi aimer la on va, mais on va, écoutons ce qu'il dit. Je me suis précipité parce que au retour de ma famille, il y avait déjà beaucoup de pression. On estimait que je suis resté un peu longtemps, plus de 10 ans, dans le veuvage, et que ça avait un peu trop duré. Il fallait forcément combler ce vide-là. Et à la limite, l'opportunité s'est présentée. Telle qu'elle s'est présentée, je crois que c'est une histoire qui est bien connue, et il y a eu en 2 semaines, tout juste dès que la personne est arrivée au Cameroun, on a fait connaissance et nous sommes allés célébrer cela en présence de très peu de personnes. Donc on l'a fait en toute intimité parce qu'elle devait repartir, étant de nationalité française, il fallait bien qu'elle reparte, mais d'origine camerounaise. Donc il y a donc pas eu cette période de probation dans ce couple-là. Et c'est pour cela que... Donc, quand ils se sont mariés, quand ils ont signé, elle est directement repartie en Europe. Il faut écouter, écoutez. Je vis juste aujourd'hui difficilement les choses, au-delà de tout ce que vous savez qui est arrivé avec toutes les turbulences qui ont débouché même sur des actions assez mauvaises. Et il y a eu par la suite donc quand même de la réconciliation, et cette réconciliation est intervenue en présence de quelques personnalités de la classe, qui nous a permis de pouvoir repartir et essayer de maintenir le lien. Mm-hmm. Oui, on a vu, il y a un média en ligne qui a publié votre réconciliation, c'était là le jour de l'anniversaire de ton épouse. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que vous vous êtes réconcilié à la maison et puis tu as décidé de lui organiser un anniversaire? Est-ce que c'est parce que tu as constaté que, bon, au fil des années, c'était la bonne personne, peut-être tu t'es trompé sur le comportement, enfin peut-être tu t'étais trompé sur le comportement et tu t'es dit, au final, je peux rester avec elle. Donc, du coup, on peut se réconcilier. Bon, on ne se réconcilie pas quand même par hasard. Oui, disons d'abord, je dois rappeler la période, le mariage, l'acte de mariage a été signé avril 2019. D'accord. Donc nous sommes à quelques jours de 2 ans et demi, je crois, c'est pas, on n'a pas encore rempli même les 3 ans complètement. Mmh. Donc malheureusement, il se trouve que comme nous n'avons pas choisi un lieu de résidence commun, parce que l'acte n'ayant pas encore été régularisé au niveau de la France, puisqu'elle est française, ça fait que ça complique les choses, on a la possibilité de se retrouver simplement lors de ces appels. Apparition sporadique en terre camerounaise. Et comme c'est quelqu'un de pratiquement indépendant, qui n'a pas forcément de leçons à recevoir, qui dicte sa loi, qui fait ce qu'elle veut, qui se dirige là où elle veut, quand elle veut, ça rend les choses difficiles à ce niveau-là. Quand vous n'avez pas le contrôle du couple, ça fait que vous ne pouvez pas bien programmer les choses. Mais pour vous répondre à cette question, je dois le dire aujourd'hui, cette réconciliation est intervenue. Je crois qu'on l'avait préparée, elle était toujours en France, à la Côte d'Azur où elle réside. On l'a préparée minutieusement tout de même. Elle est arrivée 3 jours avant au Cameroun, au mois de septembre dernier. Il s'agissait pour nous d'essayer de laver d'abord l'image, nos images respectives, effectivement, qui avaient été écornées et bafouées à travers les réseaux sociaux, et de réapparaître aux yeux du grand public, parce qu'on formait un... Mais c'est important. Est-ce que c'est important tout ça pour le public? Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas faire les choses pour soi? Est-ce que tu n'étais pas dit, je consolide d'abord ma famille, et non, comment est-ce qu'on va dire ça? Et non, faire cela pour le public?
Oui, je vois bien, c'est une belle approche, hein, je peux vous le comprendre, mais en réalité, avant d'arriver à la célébration, je crois qu'il y avait déjà eu un peu un début de consolidation. Je pense qu'on est, on a pas seulement convié du monde pour dire, écoute, venez, venez nous célébrer. Il y avait déjà eu un modus vivendi minimalement, on s'est accordé sur un minimum de choses sur lesquelles on devrait désormais cheminer. Par la suite, donc, pour poursuivre mon explication, c'était pour nous l'occasion quand même, parce qu'aujourd'hui, vous me posez la question. C'était important, mais c'était important parce que tant que ça se passe mal, là tout le monde reprend la chose, on partage des vidéos qui circulent et tout, mais maintenant quand on se réunit pour vous dire que ça va bien, vous trouvez que ce n'est pas important. J'ai l'impression aussi que vous vous fiez beaucoup plus au candidat, c'est-à-dire que à un moment ce n'est plus trop la famille, mais on fait beaucoup plus les choses par rapport à la société, par rapport au public, par rapport aux amis. Est-ce que c'est normal tout ça? Est-ce que c'est important tout ça? C'est une question qui m'étonne de vous, parce que si je suis sur ce plateau, en train de parler même des questions qui relèvent de ma vie privée, c'est parce que je suis une personnalité, en réalité. Donc, la vie privée des personnalités intéresse les Camerounais, le grand public. Ce n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de Camerounais. Et quand ça concernait donc, effectivement, ce qui s'était passé à l'intérieur de mon couple, on a vu comment cela avait été abondamment partagé, avec beaucoup de dérision également. Il y en a qui s'en moquaient. Bon, maintenant, quand on revient sur un bien meilleur jour, il faut bien que les gens sachent que oui, nous nous sommes réconciliés et que nous sommes un couple qui a besoin de renaître et que finalement, ça nous concerne tout simplement. Donc, c'était plutôt une belle communication. C'était de cela qu'il s'est agi. Donc, on a profité de son jour anniversaire pour essayer de rassembler quelques hommes politiques, journalistes, personnalités sportives et autres gens des médias. Voilà, donc, je pense que sur ce coup-là, c'était pas très mal pensé, finalement. Voilà, certainement, vous avez des grands enfants. Là, je parle de Sam Séverin et de Madame. Vous avez des grands enfants, mais on veut savoir aussi, hein, comment est-ce que les enfants perçoivent cette relation? C'est-à-dire que Madame est de l'autre côté, le papa est ici, les enfants sont au milieu. Vous le comprenez? Oh, il faut, parce que si vous ne comprenez pas, parce que l'histoire-ci, moi, les dieux, je m'en fais mettre. Parce que la dame a raconté chez Pipi, ce n'est pas la même chose. Ce que la dame l'a raconté chez Pipi, ce n'est pas pareil avec ce que le monsieur s'y a raconté. Est-ce que je mens? Bonjour Solange, on dit bon merci Jaguar, merci. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est la même chose, mes chers frères et sœurs? On continue, hein, parce que moi, je suis là pour la vérité. La idée est qui? Acquista prodotti in offerta in tutta tranquillità e con la spedizione gratuita su tutto. Est-ce que ce que la dame a rencontré chez Pipi, est-ce que c'est ma même chose? Elle a voulu me tuer à cœur ouvert. Elle n'a pas voulu. Parce que ça ici, c'est tellement long. Il va parler des biens. Moi, je préfère qu'on parte ce soir à cœur ouvert. Parce qu'ici, il va parler des biens. Vous avez écouté une petite partie. Est-ce que ce que le monsieur a rencontré et ce que la femme l'a rencontré, c'est pareil, ma mère? Ni laisse-nous écouter la version de l'homme. Il va vous laisser écouter. Nathan dit qu'on parle à quoi ouvert. Vous voulez qu'on écoute. Journaliste, personnalité sportive et autres gens des médias. Voilà, donc, je pense que sur ce coup-là, c'était pas très mal pensé, finalement. Voilà, certainement, vous avez des grands enfants. Là, je parle de Sam Séverin et de Madame. Vous avez des grands enfants, mais on veut savoir aussi, hein, comment est-ce que les enfants perçoivent cette relation? C'est-à-dire que Madame est de l'autre côté, le papa est ici, les enfants sont au milieu. C'est vrai, il y a eu cette dispute, ensuite la réconciliation, mais comment est-ce que les enfants perçoivent ce genre de mariage où les parents sont éloignés? Pour l'instant, peut-être c'est au sortir de cette émission que les choses pourraient se mettre en place dans le modèle que vous évoquez, parce que malheureusement, je dois le confesser, nous n'avons pas pu mettre en place effectivement ce type d'union qui est considéré comme couple recomposé. L'histoire ici, c'est que les enfants de madame, ils sont un tout petit peu éparpillés. Il y en a qui sont au Cameroun, qui sont déjà des adultes reconnus, qui mènent leur vie. Il y en a qui sont en France, naturalisés, qui mènent leur vie. En réalité, les enfants de Madame Geneviève ne sont pas
complètement, je veux dire, associé à notre histoire. C'est une personne, je vous ai dit, qui est une forte tête, qui fait ce qu'elle veut. Et si vous voulez tout savoir, ces enfants-là, principalement ceux du Cameroun, n'avaient pas validé cette union-là. Ils étaient même farouchement, je crois d'ailleurs, jusqu'à ce jour, opposés à cela. Parce qu'ils trouvaient que leur mère, à son âge, vu son parcours, n'avait pas besoin de se remarier de nouveau avec quelqu'un qui vit au Cameroun, effectivement. Ils n'y voyaient pas quelque chose de bien. Et il y a eu un ensemble de choses pas du tout gaies à l'intérieur. J'en avais beaucoup souffert. En revanche, ceux qui sont en France n'y avaient trouvé aucun problème parce que c'est aussi une question de mentalité. Là-bas, chez eux, ils sont déjà pratiquement occidentalisés et ils considèrent que toute personne a le droit de refaire sa vie et de vivre assez librement. Donc, en ce qui concerne les enfants qui sont les miens, qui sont encore bien plus jeunes, je crois que elles, la plupart, parce que la majorité sont des filles, n'avaient pas trouvé de souci à cela. Je crois qu'elles ont facilement adhéré d'avoir affaire à une belle mère, une nouvelle maman qui arrive, de surcroît capable de leur permettre un épanouissement, à la limite, dans leur vie. Bon, mais au fil de nos disputes successives, parce que je dois quand même avoir le courage de le reconnaître, nous formons un groupe de gens qui se disputent tout le temps. Et c'est pour cela que ça rend les choses difficiles pour les enfants, surtout ceux qui sont encore en âge adolescente. Et ça ne nous permet pas d'être complètement en harmonie. Effectivement, c'est pour cela, si vous avez un tout petit peu compris les vertus et les valeurs que moi je défends dans le cadre de l'institution mariage, je crois qu'il y a un ensemble de choses qui ne sont pas contenues dans l'union que vous évoquez. Et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'on devait passer la soirée à parler de ça dans cette rubrique-là, parce que là, vous me donnez l'occasion de rentrer de plein pied dans le couple, et à ce niveau, je serais peut-être amené à dire des choses que je n'ai pas entendu. Quand j'ai demandé si le mariage était une fin en soi, parce que si on a pour habitude de se disputer, si on ne se comprend pas, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on est obligé de rester ensemble? Bon, effectivement, à ce niveau-là, si on n'arrive pas à pouvoir se comprendre, je crois que il faut avoir le courage de se séparer. Mais vous savez qu'en matière de séparation, d'annulation, de divorce, il est bien compliqué lorsque l'acte a déjà été signé. Hein, donc, il y a toujours quelques réticences. Et même les juges du tribunal ne vous encourageraient pas assez facilement à aller au divorce. C'est ça la difficulté. Quand vous y êtes, véritablement, on dit généralement, le choisir, c'est choisir. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'enfermer, effectivement, parce que la vie est bien trop courte. Lorsque vous ne vous sentez pas bien dans une relation qui vous pourrit la vie, qui vous empêche de dormir tranquille, je pense qu'aujourd'hui, même si vous êtes marié à l'église, même à l'église désormais, on peut dissoudre les mariages. Je crois qu'il y a des prêtres aujourd'hui qui le permettent. Et c'est pour cela que je serais peut-être tenté de penser que ce n'est pas une fin en soi, finalement. Parce qu'on est là dedans, on n'est pas heureux, on n'est pas libre, on est surveillé, on est épié, on n'est pas respecté. Il y a autre chose également. Lorsque dans un couple interviennent la notion des biens matériels, les maisons, les voitures, les terrains et tout cela, les vêtements, les téléphones et tout, ça devient quelque chose de compliqué. Parce que ce patrimoine-là, pour des gens qui sont attachés à ces choses de la terre, dans les familles, ça crée un sacré problème. La personne avec laquelle je suis lié aujourd'hui, c'est une personne qui dispose d'un, on va dire, d'un minimum de moyens qui lui permettent d'être complètement à l'abri du besoin pour elle et pour ses enfants pour de très longues années. Donc, du coup, lorsqu'elle se retrouve en couple avec moi, les premières personnes à s'opposer à cela, ce sont les gens qui sont autour d'elle. Et ils pensent que moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que j'étais dans la course au bien matériel. Or, aujourd'hui, je ne suis aucunement attaché à tout cela, mais il faudrait, comme leçon à donner par rapport à tout ce qui, à la limite, les hommes ou les femmes, eh bien, mes chers hommes, ne pensez pas que si vous avez un peu trop d'argent et que vous allez choisir une jeune fille au village, ou bien une jeune fille, vous allez la chercher alors qu'elle est encore à l'école et vous en faites votre épouse, si elle supporte de longues années et qu'elle accepte de vous faire des enfants, un enfant, deux enfants, trois, quatre, cinq, voire six enfants, ne pensez pas que vous avez le loisir de la piétiner parce qu'elle n'a pas un grand boulot, parce qu'elle est ultra importante, c'est très important. Et vice versa, pour les femmes également qui sont manifestement plus nantis et qui ont reçu beaucoup de choses de la part de Dieu, si ces femmes-là se retrouvent avec un homme qui est peut-être un peu moins nanti, qu'elles ne se doutent pas un seul instant que ce sont ces possessions-là qui font le mariage. Ou alors qu'elles vont utiliser cela pour manipuler la personne. Ça ne fonctionne pas comme ça chez certaines personnes. Chez certaines personnes, ça peut marcher, mais chez ceux qui ont
on va dire, quand même de la personnalité, je pense que ça ne marchera jamais. Et on pense que c'est votre cas. Bon, je ne sais pas si vous savez que c'est votre cas. Alors, vous êtes une personnalité publique, ouais. Vous êtes journaliste très connu, homme politique aussi, parce que vous avez été dans la politique. Sam, c'est vrai, en gros, est-ce que tu as déjà été piégé? Oui, forcément, piégé, oui, ça arrive tout le temps. Par qui? C'était des hommes ou des femmes? Bon. Ou alors des collègues? Bon, maintenant, dans le sens de votre question, je ne sais pas également la nature du piège, hein, parce que quand on est... Je vais reformuler la question. Mm-hmm. Est-ce que Sam, c'est vrai, en gros, a déjà été piégé par un homme qui n'a rien à voir avec la politique dans le but de le discréditer? Bon, maintenant, là, ma main de l'émion, de maman, il dit, c'est comment, non, tu t'es là. Le monsieur s'est parlé des biens matériels. Est-ce que... la même version avait pour la mère là qui est passée chez Pipi. Hein? Tu sens que la maman n'a pas digéré quand le monsieur l'a laissé. Il n'y a même pas eu amour entre eux. Il n'y a pas l'amour. L'amour n'existait pas. Donc, quand il a perdu sa femme, il a rencontré la mère là. Il a dit qu'ils ont tellement signé les papiers. Ils ont signé le mariage avec la personne. Donc, il n'y a pas eu amour. Et la mère a consommé son mariage en France. Elle n'a pas consommé son mariage avec lui. Ils ne sont pas restés dans la même maison. C'est un peu ça. Est-ce que c'est la même version? Parce qu'il a parlé des biens matériels. Est-ce qu'il a même parlé de... Il a toujours fait, on ne sait pas. Est-ce que c'est la même version, mes chers mamans, mes chers mamans? Hein? Remontez, non, maman de l'homme, on remonte encore. Tu nous éclaircis aussi ce que le monsieur a dit. J'ai seulement aussi voulu aussi mettre pour que vous écoutez sa part de version, ce qu'il a parlé à la chaîne là. Parce que la maman l'a dit, tu sentais qu'elle était déçue. Nicole n'a aucune obligation. Nicole n'avait aucune obligation. Mais tu sentais qu'elle a... Maintenant, la maman, elle se plaint. Alors, pourquoi non, maman? Venez aussi nous expliquer, non. Maintenant, quel est le but qu'elle se plaint? Elle se plaint du bien matériel ou elle se plaint de l'amour? Elle se plaint alors, pourquoi alors? Parce qu'on l'a barré ou bien parce qu'elle se plaint parce qu'on l'a escroqué l'argent. Vous avez écouté la version du monsieur, non? Vous avez vous-même écouté le début de leur mariage. Vous voyez qu'il n'y a même pas eu amour. Les enfants d'Adam étaient contre le mariage là. Parce qu'ils ont vu que Nicole, je crois que cette femme n'a plus que. Hein? Ouais, t'en prends pas. Il faut éteindre, tu réallumes. Nini. Mais Nicole, lisez ta couche, je ne te vois pas. Mais envoie la demande, je ne te vois pas, ma chérie. Je ne te vois pas, ma. Éteins le téléphone, tu envoies la demande. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne te vois pas, les aides. Je ne te mens pas. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à te voir. Je ne te vois pas, même. Je ne te vois pas. Tu vois, si. Je ne parviens pas à te voir. Je ne sais pas comment je vais faire pour te prendre. Moi, je ne te vois pas. Essaie d'envoyer la demande. Essaie d'envoyer la demande. Les gens sont en train de dire que cette dame raconte son histoire en vérité. Je ne la connais pas, mais dans ses dits, il y a sa part de vérité. Je n'avais pas envoyé la demande. Éteins le téléphone, tu réallumes, ma soeur. Dites à Kounou, éteins le téléphone, tu réallumes. Il faut éteindre le téléphone. Éteins le téléphone, tu réallumes. Éteins, tu réallumes. Pour ça, tu vas voir si ça va prendre la demande. Laura Wanda a dit que cette dame raconte son histoire en vérité. Là qu'on est, mais dans ces dits, il y avait pas de vérité. Nicole, prends-moi. Nicole, tu as pas bien suivi l'invention de la dame là. La dame là, c'est comment non, Flore Chupinet, j'espère que tu vas bien. Maëva, éteins le téléphone, t'es pris, ça n'a pas pris, ma soeur. Éteins le téléphone, tu réallumes. Flore Chupinet, c'est comment non? J'ai pas suivi l'intervention de la femme, mais elle manque beaucoup. Donc, je suis bon, aussi écouter la version du mari, non, Flore Chupinette, ma cota. C'est comment, non, Flore, ça fait longtemps. Je suis bon aussi qu'on écoute la version du monsieur, sinon, ma. Parce que la façon que la femme la raconte, là, c'est du pipeau. Donc, c'est un peu ça. Oui, maman de Miondo. Allô, Nicole. Oui. Bon.
Moi, je voulais dire que si j'ai vu la version du monsieur, j'ai regardé un peu les interviews. Il en a fait beaucoup, hein. C'est sur YouTube. Pour ceux qui veulent suivre. Bien sûr. C'est sur YouTube, oui, c'est sur... Il a fait beaucoup d'interviews, beaucoup même. Oui. Et c'est une histoire médiatisée. Il ne faut pas que les gens parlent comme si c'est une histoire de... une histoire à ne pas parler. Et dès que la dame est passée chez Pipi, ils ont lancé une bouteille dans l'eau et ils nous ont demandé de parler. J'ai l'impression que j'ai bien compris. Ça veut dire qu'elle veut que les gens parlent de ça. Et souvent, quand tu ramènes ton histoire, tu ne sais pas comment les gens vont prendre ça. Bien sûr. Et on a vu ici plusieurs fois les gens qui ramènent les histoires. Ils pensent qu'on va les suivre ou bien on les suit le premier jour. Et quand on a la vraie version, ça, ça change de côté. Moi, si je comprends bien cette histoire, je ne connais pas les profondeurs, mais rien que écouter ce que la dame a dit. Les interviews de ce monsieur partout où il est passé. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont mis l'argent devant. Ils ont mis l'argent devant. Quand je dis il, la femme, tu ne peux pas rencontrer un homme dans les réseaux sociaux. C'est, et puis, c'est virtuel. Ils sont rencontrés dans les réseaux sociaux. C'est virtuel. Donc, il y avait l'argent. Peut-être un mariage blanc. Tu rencontres un homme dans les réseaux sociaux. Tu viens au Cameroun pour la première fois après votre rencontre. Vous vous mariez. Vous te retrouvez directement dans la chambre. Après, ça va passer les gardiens, les vigiles, les ménagères, tout le monde là, jusqu'à dans ta chambre. Comment il sait même que c'est ta chambre dans une si grande villa? Comme tu le dis bien, tout ça là, tu sens que la partie là, c'est à revoir. Bien parce sûr. Que quand vous venez nous raconter vos histoires, sachez que vous avez devant vous des personnes qui vivent aussi beaucoup des événements, peut-être qu'ils n'ont pas la vie que vous êtes, mais qui se dit que même si j'ai une chambre, est-ce que je peux raconter quelqu'un? Il vient direct entrer dans ma chambre, s'asseoir sur mon lit, que je n'ai jamais vu de ma vie. Non, ça ne se fait pas. C'est bizarre. Pour moi, la partie-là, je n'y crois pas. Et de deux, ils n'ont pas eu de rapport. Une semaine après, ils se sont retrouvés en train de se marier à Douala. Même quand la dame explique que le jour-là, quand le premier jour le monsieur est arrivé, il s'est retrouvé dans sa chambre. Après, il a dit au monsieur que non, il faut que tu peux m'attendre au salon parce qu'il dormait, elle dormait avec sa ex-belle-sœur. Et on a appelé ses enfants pour lui dire qu'il y a un monsieur qui s'est retrouvé dans la chambre de ta mère. Ses enfants sont arrivés, on a mis le monsieur dehors. Et le temps qu'elle sort de la chambre, le monsieur était dehors. Elle a cassé, elle a tapé tout le monde dans la maison là. Elle a cassé le mur, tapé le vigile, passé sur le trou, vous. Maman, on appelle ça que ça, c'est indigne d'un film d'action. C'est ça que j'ai dit, maman. Parce que trop de versions. La dame, on appelle ça. Une personne que tu n'as jamais vue. Lolo et toi, hein, vous avez fait un scénario. Pipi a déjà pris des dos. Il faut quand l'histoire fait le buzz et l'histoire ne fait pas le buzz. Donc, pour moi, c'est une histoire que je ne crois pas du tout. Mais si je comprends ce que le monsieur dit, c'est une dame qui a ses moyens. Bien sûr, bien sûr. Qui a déjà sa vie. Elle cherche maintenant son petit pompier qui va chopper les dos. Bien sûr. Mais je ne veux pas que j'aime un rococo comme ce journaliste-là. Bien sûr. Mais oui, parce que les gens là, quand ils sont. Les gens là, tu sais, c'est ton nom-name. Ton nom-name que tu vas dire que porte mon sac, il porte. J'arrive après toi, tu m'attends, il s'assoit, il t'attend. Mais tu ne vas pas avoir une personnalité privée, publique. Un homme qui porte les vestes ce matin, midi, soir, il a levé seulement ça pour dormir. Toi, tu as dit qu'il a dormi avec les vestes, il a levé seulement le mari. Le mari, il a seulement ouvert la braquette. Même, mon cher,
Ouais, ça ne prend pas. Éteins, tu reviens, ça ne prend pas. Il faut éteindre le téléphone, tu reviens. Non, mais Choupinette, il faut dire qu'on ne faut pas dire que c'était du gagnant-gagnant parce que moi, il y a les hommes qui vont venir draguer, par exemple, une comme Mafo. Parce que par rapport à sa célébrité, Jacques Mafo est connu. Vraiment. Il faut te dire la vérité. Hein. Il va venir parce qu'il veut se faire connaître. C'est pour cela qu'on dit que beaucoup de gens qui viennent autour, des gens qui sont connus, ils viennent par rapport à quelque chose. Mais parce là, que moi, à l'époque, quand j'étais encore non-même là, l'école, quand une personne est connue, hein, je l'évitais comme la peste. Parce que je savais que c'est les gens qui ont derrière eux beaucoup de gens qui les suivent. Et ça les fait, ils m'imbent pas beaucoup. Bien sûr, donc, bien sûr. Notre soeur là, vraiment, et notre maman là, parce que c'est notre maman, hein, c'est pas une maman. Petite, voilà. Maman là, elle a fait un mauvais choix. Bien sûr. Il fallait pas que c'était pas la bonne personne. Il fallait qu'elle pêche un non-même. Elle va entretenir parce qu'elle a les moyens de l'entretenir. Bien sûr. J'arrive, hein, il reste là sur place. Mais pas un homme public que lui-même il a déjà tous les gars là qui cherchent aussi un binda avec lui. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'était un mauvais calcul. Et ça s'est tourné comme ça s'est tourné là. Et elle raconte tout ça de la bouche de la dame. Elle allait construire chez le monsieur. C'est elle qui allait construire là-bas. Elle a acheté les terrains et elle a construit. C'est trop flou cette histoire, Nicole, sincèrement. Je ne la crois pas du tout. C'est ça, répondez. Je ne la crois pas du tout. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Il faut qu'elle digère. Elle n'a pas choisi le bon. Bien sûr. Elle n'a pas choisi. Qui est entré? Il y a une personne à qui est entrée. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maman. Lolé Miondo, bonjour. Bonjour. Et alors, moi, je viens, en fait, je suis en train de vous suivre. En même temps, moi, j'ai suivi aussi le live de cette dame. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas mettre en cause les dires de la dame, parce que il y a les femmes, il y a beaucoup de femmes. Elle a au moins eu le courage de venir se prononcer. Parce qu'il y en a qui ne viennent pas. Elle n'est pas la seule qui endure, qui vit ce genre de choses. Moi, je pense que même s'il y a des zones sombres dans cette histoire, mais il y a beaucoup de vérité aussi, parce que c'est des choses que les femmes vivent ici dehors. Donc, moi, je me dis que la femme, là, c'est une victime. Elle est victime. C'est vrai que chaque personne a droit à avoir quelqu'un à ses côtés. Elle voulait penser avoir trouvé quelqu'un. Et puis, elle est tombée sur la mauvaise personne, comme vous êtes en train de dire. Mais sauf que ne prenez pas l'histoire comme ça. C'est une femme. On est toutes les femmes. On est toutes les femmes. Je dis pas que les hommes ne sont pas victimes. Oui, les hommes sont victimes, mais vu cette femme, parce que la femme là, pour une personne qui ment, je vais vous dire, pour une personne qui ment, on le ressent par ses dires. Mais la femme là dit les mêmes choses. C'est-à-dire que hier, elle a encore passé, elle répète les mêmes choses du début jusqu'à la fin. Sincèrement, une menteuse ne peut pas répéter quand quelque chose est fausse. Quand l'histoire est fausse, la personne ne peut pas répéter les mêmes mots, les mêmes choses. Mais cette dame a répété encore hier les mêmes choses. Donc moi, je me dis qu'elle est victime. C'est une personne qu'on a amadouillée, on a embobinée, elle est tombée dans le piège d'un prédateur. D'accord? Donc, moi, je pense qu'on devrait plutôt lui apporter un peu du soutien. On devrait lui apporter du soutien parce qu'elle en a besoin. Vivre ce genre de choses, c'est pas facile.
Il ne faut pas qu'on la juge. Chaque personne a son histoire. Chaque personne, c'est chacun qui vit son histoire à sa manière. Et il y en a beaucoup, comme je vous dis, et vous le saviez même d'ailleurs, qui ne parlent, qui vont rester. Il y a beaucoup de personnes qui resteraient, qui vont rester dans l'ombre sans rien dire, de peur ou alors même pas la peur. Elles vont rester dans le silence, pas honte. Elles auront honte de venir témoigner. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, mettons un peu d'eau dans notre vin, parce que à le vent que c'est l'autre, mais soutenons cette femme. Moi je suis féministe, sincèrement, soutenons la femme, et nous savons tous ce que les femmes vivent ici dehors. Sincèrement, il faut la soutenir. C'est pas, ne lui lançons pas des pierres. Voilà ce que je voulais dire. Cette femme est victime. Okay. Moi, je l'ai vue, je la prends comme une victime. Okay. Elle est victime. Même s'il y a beaucoup, quelques trucs qu'elle peut rajouter, mais il y a beaucoup de vérité dans son histoire. Ma soeur, je te coupe pas. Oui, dis-moi. Moi, je veux qu'on cause un peu. Tu sais, dans la vie, quand tu as un problème, vaut mieux dire la vérité pour que ça touche les gens. Tu peux avoir raison, hein, mais ça ne sert à rien de venir mentir pour attirer la compassion des gens. Parce que quand les gens vont savoir qu'au départ, tu les as menti, ils vont t'apporter leur soutien, mais ils vont pas oublier le mensonge. Ça veut dire quoi? Attends. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Je prends un exemple, l'histoire de la mort de Samy. Je n'appelle pas les noms. J'appelle le nom de Samy. Ma soeur, elle a tout suivi ça sur Meta. Tu as suivi ça, maman? Tu parles de moi? Oui. L'histoire de Samy qui est décédé là. Ah non, mais vite fait. Hein. Non, vite fait. Bon. Pour ceux qui ont suivi ça, on va prendre par exemple l'exemple de l'histoire de la mort de Samy. Notre lady, boss lady, deux jours après, elle est sortie. Elle a fait un direct où il y avait plus de 30 000 personnes. Et dans le direct, là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a découvert après qu'il y a eu des choses pas vraies, le mensonge. Ça a fait que même les gens qui ont voulu croire en elle, à cette histoire, ont eu des doutes. Ça a fait que même si aujourd'hui, je n'ai pas... On dit qu'elle n'a rien à voir dans ce qui s'est passé. Mais rien qu'en pensant le direct là, où elle a dit ci et ça, est venue changer après, ça fait que il y a les doutes déjà parce qu'il y a un mensonge. Ma soeur, tu comprends ce que je te dis, non? Non, je te comprends. Je te comprends. C'est pour ça que... Attends, je suis... C'est pour ça que je vais rectifier, que c'est pour ça que j'ai dit qu'il pourrait avoir les zones sombres dans l'histoire. Mais il y a aussi la vérité. Je ne dis pas qu'elle a été... Pour moi, dis-moi ce qu'on a écouté dans le direct. Dis-moi ce que tu peux trouver là de vérité. Non, mais Ndolé, quand tu me poses la question, tu me poses la question comme une enfant. Tu as suivi le direct comme j'ai suivi le direct. Je vais pas commencer à elle a beaucoup parlé. Je vais pas commencer à dire que voilà, c'est ça qui est chacun. Tu as compris comme tu as compris. Moi, j'ai compris comme j'ai compris. Maman, je vais prendre. Moi, je vais alors prendre un exemple. Maintenant, tu m'as posé. Laisse-moi citer. Tu ne réponds pas. Moi, je vais prendre. Non, mais laisse-moi citer. Ouais. Je suis pas à l'école. Quand on discute, laisse l'autre personne argumenter un peu aussi. Tu peux pas. On n'est pas ici. J'étais en train de vouloir dire que cette dame a parlé. J'ai bien au début de mon ma quand j'ai pris la parole, j'ai bien dit qu'il y a des zones sombres. Il y a bien des zones sombres que je n'ai pas compris. Mais il y a aussi
la vérité là dedans. Maintenant, ce que j'ai trouvé un peu marrant, c'est quand elle dit que le monsieur portait peut-être 5 pantalons, le monsieur portait peut-être 4 chemises avant de trucs. Bon, j'ai trouvé beaucoup de choses pas bon. Je me suis dit que elle était aveuglée, elle était comment? Après, je ne l'ai pas jugée, je ne l'ai pas jugée parce qu'il y a des personnes faibles d'esprit. Il y a des personnes qu'on manipule facilement aussi. Parce que quand elle a dit à un moment donné que elle avait déjà compris, la personne, le monsieur la laissait, le monsieur partait. Il y a un homme qui est entré, laissant aussi la place à quelqu'un d'autre. Oui, maman, oui, je vais m'arrêter. Bonjour, donc, laissez-moi la parole. Donc, c'est Donald qui m'a posé la question, donc c'était ça. Il a parlé de son déjeuner. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour. Mm-hmm. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Lolé Miolo. J'aime bien cette femme, mais je suis un peu dans. Je vous aime beaucoup. Bonjour. Mm-hmm. Bonjour. S'il vous plaît, moi, tu vois, moi, il est 5 heures ici. Je veux déjà aller au boulot. J'ai suivi ce direct. Nicole, vraiment, de Dieu, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi le direct de Lolo, mais quand je comprends ce que déjà la partie de ce monsieur dans tous ces YouTube, tout et le direct que vous avez mis là, ou c'est quoi que le monsieur a parlé là, vraiment une femme mature avec des enfants qui vit en Europe, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux chaque fois là, comment tu peux tomber dans un piège comme ça? Non, maman, il y a des personnes qui sont faibles de. Ouais, ma soeur, laissez-moi vous avez parlé, je ne vous ai pas parlé. Maman, moi-même, cette femme, peut-être nous avons le même âge. Moi-même, moi, je suis dans la soixantaine, je vis aux États-Unis, mais je ne vois pas un homme au Cameroun qui peut me. C'est dû au tel point où je prends mon vol, je m'en vais, et même pas, on ne se concerte pas, on ne se connaît pas, on n'a rien dit, on n'a rien compris. Et puis directement, on va à la mairie se marier. Ça ne se fait pas. Et puis, quand mes enfants n'acceptent pas, mes enfants, et puis je me marie, donc cette femme, il y avait même un calcul de sa part. Pourtant, peut-être qu'elle voulait se faire connaître au Cameroun, parce que je n'accepte pas ça. Et on dit qu'ils se sont mariés en septembre 2019. Donc, en 4 ans, tu achètes les terrains de ceci, tu construis, tu fais tout ça. Dans quelle base? À la base, on est en train de la manipuler. Hein? Dans quelle base? Qu'est-ce que vous avez parlé? Un mariage même que tu n'as pas consommé. Et tu te mets seulement à distance. Tu es parti en 2019 te marier. Tu rentres en France. Et il dit bien que c'est l'année dernière que tu es revenu et vous vous êtes reconcilié. Et donc déjà en 2019, là, tu es parti, il y avait déjà des problèmes. Et tu achetais le terrain, tu construisais. Donc tout ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Il y a des mamans, des manipulatrices qui savent mentir. Ils savent mentir. Vous avez consommé le mariage quand? Vous vous êtes concerté quand? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il a pu te faire? Jusqu'à ce que tu sors, tu achètes des matériaux, tu construis, tu fais ceci, tu as fait ça. Vraiment que cette maman reste, qu'elle prend son mal en patience et puis elle reste tranquille. À un certain âge, on ne doit même plus venir parler des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Quand tu as des moyens, si tu sors un soir, tu trouves un jeune petit garçon, si tu veux t'amuser, tu le prends et puis tu le payes, tu te défoules et il fout le camp. C'est Pipi qui a mis la dame en euro. C'est Pipi qui a mis cette dame en euro. Pipi n'a rien à voir. C'est une affaire qui date, elle a dit que ça fait plus de 3 ans. Oui, c'est même quand tu regardes sur YouTube, hein, les vidéos datent de 2020. Ce que je me suis dit, même qu'ils se sont mariés, c'était en septembre 2019. Et aujourd'hui, en novembre 2023, ça fait juste 4 ans. Donc, ils n'ont même pas
pas eu le temps de se connaître, juste un an. Même connaître là, peut-être ce n'est que l'année dernière qu'ils se sont réconciliés là. Donc ça, c'est un truc flou. Même cette femme, c'est ce qu'elle est partie faire avec ce monsieur. Merci ma soeur. Merci. Oui. Tu vois, quand c'est de l'Emiando, les gens pensent que c'est moi. Oui. Je suis amère. Donc je veux pas que quelqu'un d'autre parle. Donc j'en ai terminé. Elle n'est pas saine. Elle sait pourquoi elle allait faire ça. Elle n'a pas consommé le mariage. Qu'elle fout le cas, ce monsieur. Peut-être ce monsieur ne veut plus. Qu'elle pleure son banzizi en paix. Maman, tu vis en France où tu peux te tailler n'importe quoi. Parlons, bonsoir. Bonne journée là-bas. Bonne année, bonne année. Bonne année. Oui. Bon, et passez une... Ma soeur, je veux parler avant que tu parles. Maman, tu es là? Non, elle est là. Oui. Voilà. Moi, je voulais dire que nous sommes tous des femmes. Là, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis comme féminine, je soutiens les femmes. Mais ne soutenons pas la bêtise. Parce qu'après avoir été femme, on a aussi les enfants. Moi, j'ai trois garçons. Trois. Tu te rends compte qu'une femme vient détruire la vie de mon enfant, expose ça comme la dame l'a exposé la vie du monsieur là. C'est elle qui a amené ça dehors, hein. Faut le dire, hein. C'est pas le monsieur, hein. Donc elle savait non, ce qu'elle veut. Le monsieur est passé sur les chaînes télévisées. Non, hein. Mais c'est ce que je suis en train de dire que hein, le monsieur est passé dans les chaînes télévisées parce que c'est un monsieur public. C'est un journaliste et c'est un homme de politique. Il est connu, il passe, il travaille à la télé, il passe dans les émissions là, à Equinox, il a travaillé Equinox partout. Tu comprends, Norma? C'est pour ça qu'on est, il est passé à la télé raconter cette histoire, mais déjà, c'est quelqu'un qui travaille à la télé. Ma, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a les hommes qui ont amené l'histoire dehors, c'est cette dame. Je suis d'accord, mais bon. Topo. Il y a les zones sombres, tu comprends, non? C'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi-même, j'étais au boulot ce jour-là, je vous mens pas. Là, toute la nuit, là, j'étais là, j'avais mes écouteurs, j'écoutais. Mais je ne comprenais pas comment, malgré tout ça, la femme-là allait toujours investir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tes enfants ne sont pas d'accord. Le mari te parle mal depuis le départ. Mais ça ne te met même pas la puce à l'oreille. Voilà où je ne comprenais pas. C'est-à-dire que j'étais perdue. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a des personnes qui vivent ça. C'est-à-dire que je vous jure que ici dehors, il y a des personnes, je ne sais pas comment j'appellerais cela, ou c'est être bête, ou c'est comment, parce que c'est facile de dire qu'on a charmé, on a fait ceci, il y a le ngrimba. Le ngrimba là attrape seulement les personnes qui veut que le ngrimba les attrape, parce que c'est pas à tout le monde que le ngrimba attrape. Le ngrimba, tu ne peux pas arriver, le ngrimba t'attrape comme ça. C'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il y a des zones sombres que je n'ai pas compris. Parce que, en temps normal, dès que la personne, tu l'avais jamais vue, la personne arrive chez toi, elle a dit que quand la personne est arrivée, il y a un enfant qui est venu l'appeler, et la personne a suivi l'enfant qui venait l'appeler dans sa chambre. Donc la personne a suivi l'enfant. Le monsieur s'est retrouvé, il s'est assis directement sur le lit. Maintenant, elle était couchée avec sa belle-sœur. Tu vois? Et le premier jour, le monsieur ne te connaît même pas. Vous ne vous êtes jamais vu. Il commence à vous parler mal. Donc voilà, il y a les trucs que je n'ai pas compris. Mais sincèrement, je ne mets pas en doute tout le discours de cette dame. Mais il y a les zones, quelques trucs que moi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que je me suis dit qu'elle n'a pas été prudente. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne comprenne pas que, non, mais le monsieur n'était pas dans la relation depuis le début. À moins que c'est elle qui voyait la relation. Le monsieur ne voyait pas la relation. Moi, j'ai pas compris. Parce que quelqu'un qui te désire ne peut même pas passer deux jours sans te niasse. La personne ne peut pas. Maman, je suis avec ton mari sans la niasse. Moi, je n'ai jamais compris ça. Comment un homme ne peut pas passer avant de se marier? Voilà les mamans de plus de 60 ans qui se marient sans la niasse. Ma chérie, tu es entrée. Julia Aubert. Julia.
Ah, bonjour, ma mère. Bonjour à tout le monde. Bonjour à notre baobab de l'air mignon. Bonjour, bonjour. Je suis d'accord. Ah, Julien Robes, non, Janou. Julien Robes, oh, mais ma mère, comment ça, moi, Englain, wa. Mon de ma mère, non, Sandra. Sandra, il n'a pas wa. Jamais de la vie. Non. Il y en a Julien Robes, du samo du qui tamponné. A commencé à aider. Hey, Mami Kogosa, nous, directrice qui Kogosa. bonjour à tout le monde. Excusez-moi, si j'étais tamponné dans ton live et puis je ne sais pas si j'ai mal commenté ton live, je ne sais pas, je demande des excuses. Non, je dis que quand on commente, c'est ça, like. C'est ça, ah non. Moi, mes lives sont sélectifs. Je ne pars plus n'importe où. Les abeilles ne se baladent plus n'importe où. On se like souvent les commentaires. Je voulais juste dire que cette maman, cette sœur, notre sœur-là, vraiment, rien ne se règle sur Facebook. Qu'elle aille porter plainte au Cameroun. Aujourd'hui, là, on parle avec les faits. Qu'elle parte porter plainte au Cameroun. Mais elle a dit qu'elle a porté plainte. Elle va en justice avec le monsieur. Et je vois que cette notre sœur-là, elle est déprimée. Oui. Elle est vraiment déprimée. Oui. Quand je la vois, je ne comprends pas. Je suis d'accord avec la dame qui est partie tout à l'heure, là, celle qui est descendue tout à l'heure. Là. Oui. Je ne comprends pas. Toi, tu es ici en Europe, tu descends au Cameroun, directement, tu te fais berner, tu commences à construire des maisons, c'est elle seule qui parle. Bien sûr qu'on a écouté le monsieur a parlé, il a tourné la page. Il faut savoir tourner la page aussi. Il faut savoir tourner non, la page. Non, ma chérie, mais la maman est en train de dire qu'elle a tout perdu, il y a ses maisons, il y a ceci. Le monsieur a tourné la page parce qu'il n'a rien dépensé. Où elle a fait dans l'eau. C'est parti, le coup de tourner la page. Si j'ai vu les maisons qu'elle a publiées, oui, si, mais ça va nous apprendre aussi. Ça doit nous donner des leçons que nous, les femmes, là, vraiment, merci. Même si tu es âgée et que tu es seule, il faut savoir. On dit les enfants, les petits enfants, les arrière petits enfants. Savoir non, mais elle a dit dans son live, elle a dit qu'elle est en train de sensibiliser aussi. Hein. Ah, oui, voilà. Elle a dit. Il faut savoir être seul que d'être mal accompagné. Il faut savoir Les femmes ont peur de vivre seules ici en Belgique. Moi à sa place, cette maman-là, qu'elle reste tranquille. Elle fait sa vie, elle a sa vie ici là en Europe. Parce que moi, ça me fait mal. Si j'étais sa fille, j'allais avoir honte de voir ma maman en train de se pavaner dans les réseaux sociaux. Non, mais le problème, c'est qu'elle a même dit que sa fille est même décédée par rapport à ce problème. Ah, voilà. Sa fille est décédée, sa fille de 42 ans est décédée par rapport à ce problème. Et c'est ça qui m'a encore fait mal, en fait. Oui, non, mais ça te fasse mal. Hein, parce que ça fait partie de la manipulation, hein, tout ça. Tu penses que le cinéma qu'elle a fait chez Lolo, qu'elle est aux urgences pour que les gens parlent de l'histoire, c'est quoi? Écoutez-moi, les femmes comme ça, les femmes Bassa, elles sont possessives. Elle est possessive. Elle a voulu posséder ton monsieur. Mais tu vas tomber, wa ben mi da di 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 da la la. Bomi ba di o ma no wa sa di don. Vraiment. On va porter tout son caba. On va aller soulever ça. Est-ce que vous avez suivi vraiment? Elle a dit qu'elle est restée veuve à moins de 40 ans. Donc, elle était encore jeune quand elle est restée, son mari est décédé. Donc, après, elle a mis sa vie de femme en quarantaine pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc, à un moment donné, quand sa fille a eu 19 ans, c'est à ce moment qu'elle s'est dit que pourquoi pas? Non, mais pourquoi? Vraiment. Parce que, papa, je te laisse même pas finir. À un certain âge, moi, là où je suis la vieille chouette que je suis, si le type 6 a fini, je m'en vais chercher un papy ponchou avec qui on ne lia plus la nias. Il y a maintenant que Kouamba Dia, Papa Kouamba Dia, avançons.
Je deviens ta canne, tu deviens ma canne. Oui, cette dame, elle n'est pas aussi vieille que ça. Elle est libre d'avoir un ami, d'avoir un mari, de faire tout ce qu'elle veut à chaque fois de sa vie. Laissez-moi, je ne la supporte pas. Je dis ma vérité, Aura. Je ne la supporte pas. Je te dis, il faut que c'est les hommes qui vous, à votre catégorie, c'est quoi d'aller chercher les enfants, les plus jeunes, les hommes qui marchent à quoi? Maloc, ça dit, les gens marchent dehors par catégorie. Les gens marchent dehors par catégorie. Andolé. Mais si tu vas chercher un jeune garçon, c'est que c'est le AVC que tu vas aller chercher. Aussi porté. Maintenant, si toi, tu vas après, toi, si tu étais à sa place, tu serais allé chercher un papy poncho. Mais c'est toi. Bon, voilà, qu'est-ce que tu penses alors, les conséquences de maintenant, alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Que l'homme revienne ou bien elle veut récupérer ses biens? Mais si elle veut récupérer ses biens, elle n'a qu'à descendre au Cameroun, porter plainte et aller en justice. On tranche ça là-bas. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant, alors? On est d'accord que non, soyons, non. Moi, discutons pour se comprendre. Cette personne, on ne peut pas, vous ne pouvez pas obliger à tout le monde de faire comme vous. Chaque personne a sa façon de faire. Elle est venue sur les réseaux parce que c'est maintenant, c'est Facebook, c'est les réseaux que les gens écoutent maintenant. La télévision n'est plus écoutée. Donc, elle est venue parce qu'apparemment, apparemment, l'histoire il y a la plainte depuis, mais la plainte, on devait déjà arrêter ce monsieur, mais le monsieur est toujours entré en liberté parce que voilà quoi. Donc elle appelle les gens qui sont qui peuvent l'aider si pour que l'affaire avance, parce que l'affaire n'est pas en train d'avancer. Apparemment, c'est la raison pour laquelle elle est venue sur les réseaux sociaux. C'est ce que moi j'ai cru entendre, hein, c'est ce que j'ai entendu. Donc, elle vient pour appeler, elle appelle de l'aide, elle veut qu'on l'aide par rapport à ça, parce que apparemment le monsieur est plus fort que tout le monde, personne ne peut l'interpeller, et tout. C'est pour ça qu'elle vient, pour que son dossier avance. Non, mais elle a plus l'homme. Elle a plus l'homme. Est-ce que toi tu vois que les réseaux sociaux peuvent faire quoi? Elle a pris l'homme sur non, mais ne dis pas ça. Les réseaux sociaux sont beaucoup. Parce que ma soeur, tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, ça a déjà fait quoi au Cameroun? Voilà la mort de Samy. C'est sur les réseaux que. Si c'était pas les. C'est grâce aux réseaux sociaux que le truc est en train de. Est encore là comme ça. Et beaucoup de choses se règlent maintenant sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, si. Alors, exemple, Martinez, oui. Voilà. Quand tu dis que les réseaux sociaux, c'est quoi? Mais alors, je te dirais. Elle-même, elle est ici. Elle ne peut pas régler son problème étant ici. Et le problème se trouve au Cameroun, ma soeur. Elle descend là-bas, elle fait ses demandes, ne serait-ce que pour ses biens. Elle récupère tous ses biens. C'est juste les biens, pas l'homme. L'homme, il y en a plein. Les hommes, il y en a plein. J'ai les garçons, madame. Toi qui dis que oui, j'espère que j'ai les garçons. Pourquoi pas tout le monde est obligé d'aller dans le même camp? Ce n'est pas, on est en train de chacun dans son opinion, madame. Bien sûr. Arrête de me dire que toi qui parles là, tu n'as pas les garçons. J'ai les enfants, j'ai les garçons. Bien sûr, chacun a sa façon de voir les choses. Et cette femme, à aucun moment, je n'ai dit qu'elle a raison. J'ai dit qu'elle a les zones sombres. Les choses que je ne comprends pas. Arrêtez un peu votre truc là. Arrêtez d'essayer de manipuler les gens tout le temps. Arrêtez d'essayer de. Ne jette pas les trucs que tu. Mais tu sais aussi, ces gens, il faut qu'elles disent la vérité.
Il faut qu'elle dise aussi toute la vérité, qu'elle parle, qu'elle sorte tout ce qu'elle a dans le ventre. La vérité. Parce que elle-même, elle faisait d'abord les directs, elle-même dans sa maison, là, elle fait les directs. Finalement, on ne comprend même plus rien. Elle vient me tomber, Evanier, à corps ouvert même, elle est tombée, Evanier, elle vient encore mettre Evanier. Je parlais comme ça, moi j'ai pitié d'elle. En Suisse, il y a tout, en Suisse, il y a l'argent. Et puis c'est une maman qui est encore bien, elle est forte. Oui, mais voilà. C'est pour ça que j'ai dit à ta soeur, j'ai dit à Ndolé tout à l'heure d'arrêter de dire que pourquoi elle va chercher un homme. Comment? Elle va pas chercher un homme comment? Ma soeur, elle est bien. Attends un peu. Toi-même, dis-moi la vérité. Qu'un jour tu peux au Cameroun comme ça. Et ça, les femmes, ça vous. Julien Robert, un jour tu es au Cameroun comme ça. Tu es venu en vacances. Tu vois Samuel et toi qui atterrit sur ton lit, vous, vous. Tu vas pas fouiller à ta Maman, je vais laisser Samuel et toi. Ngannou même d'abord, je commence déjà à trembler. Maman, Ngannou même d'abord, Ngannou seul seulement, je commence à enlever mes habits seuls. La mère, là, non, elle est trop fort. Ah non. Moi, je pense que non, elle a rajouté, elle a, comme elle a dit tout à l'heure, il y a une dame qui a dit tout à l'heure que soit elle est déprimée, elle déprime cette dame. Il y a ça aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas lui lancer, on ne peut pas. Comme j'ai dit, hein, il y a quelques vérités aussi. Hein. Elle a dit des choses vraies, mais il y a aussi quelques trucs qu'elle pourrait rajouter peut-être. Mais bon. Ça fait du bien comme elle est en train de sensibiliser que les femmes qui passent au Cameroun faisons très attention. Oui, c'est une sensibilisation. En même temps, on doit aussi les taper et que tous les jours, on ne veut pas les mêmes problèmes, les faux problèmes tous les jours. C'est de glaire, les blessés de guerre. On parle des hommes, des réactions des réseaux sociaux, de tout cela, tous les jours, ils n'écoutent pas. Elle n'écoute pas. À vrai dire, quand elle est arrivée l'autre jour, la première fois qu'elle est arrivée, elle l'a dit. Hein, elle a dit qu'elle elle est là déjà pour sensibiliser. Ah ouais. Mes soeurs, je sensibilise. Ne tombez pas dans le même piège. Non, que moi, elle est allée là où... dans la sensibilisation. Hein. Elle cache seulement sa honte. Parce que le petit le bourri qu'elle a fait chez Lolo là-bas, où elle est tombée là, ce n'était pas pour sensibiliser. Hein. C'était parce qu'elle voulait que les gens aient pitié d'elle. Hein. Ah ouais. Mais voilà, franchement, si c'est, elle est dans la manipulation. Bon, moi, ce que j'ai apprécié, elle était très bien habillée, très chic, même plus que celle qui présente. Excusez-moi, elle c'est une femme qui est chic. Elle était très chic et très belle. Et bien habillée. À Julia Robert. Excusez-moi. Si elle voulait que son histoire soit beaucoup plus virile, elle est blessée de guerre. Elle devait passer chez la PDG Fleur de Lille. Son histoire allait arriver. Elle est passée chez la pénétive, mais elle est manigance. Elle est blessée de guerre. Elle devait passer chez Fleur de Lille pour que le ministère entende son histoire. Vous avez déjà vu les gens qui sont passés à blessés de guerre. Finalement, ils étaient victimes, ils sont devenus les poids. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas n'importe où, que ce soit chez l'autre. L'essentiel, c'est que le message soit passé. Maintenant, relayez-vous. Dans les conseils, Non, il n'y a pas question de don. Je veux qu'on soutienne cette dame quand même. Soutenez la dame. On te soutient, ma soeur, on te soutient. On soutient comment? Elle est déjà venue, elle a parlé. Ça va parler, les gens vont faire vivre ignorer. C'est pour ça que j'ai dit si elle passait sur la PDG, Fleur de Lille, son histoire. Elle allait donner 5 000 euros là-bas. La personne qui l'a reçue, la personne qui l'a reçue, la blogueuse qui l'a reçue a dit qu'elle peut passer, ça n'empêche pas, elle peut toujours aller passer aussi ailleurs. C'est une blessée de guerre. C'est tout. Ah oui, une blessée de guerre pro-max. Ça, c'est l'émission de Fleur de Lille. Elle est blessée de guerre. Elle devait passer là-bas.
De toute façon, franchement, qu'elle prend son mal à patience, qu'elle reste tranquille, parce que de nos jours-ci, le AVC, il suffit seulement que tu te mets à parler comme ça, tu tombes, tu es parti. Donc, qu'elle fasse quelques points. Je dis que c'est obligé de la soutenir. Je dis bien. Moi, je parle avec les gens ici. Hein. Je vous. Où c'est beauté, quoi, là? Je t'ai pas, je m'adresse pas à toi, je m'adresse surtout à Julien Bourroubès et Dolé. Je ne sais pas si tu as un problème et même si tu ne veux pas la soutenir, tu ne la soutiens pas. J'ai pas dit que la dame, Geneviève Ngontama, c'est une femme bassa. La vie est courte. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Le bien matériel, là. Les gens meurent, ils laissent. Voilà Mado de Paris. Mado de Paris est partie comme ça, elle a laissé tous ses biens, elle a laissé un enfant, un grand boxeur qui est champion aujourd'hui. Ouais. Donc les biens matériels, ça passe. Je veux seulement que cette femme-là, Geneviève Ngontama, vraiment, occupe-toi de toi-même. Dis-toi que tout, essaye de tourner la page. Essaye de tourner la page. Même ce monsieur, là où tu as construit les maisons, tu ne partiras jamais, on ne va jamais t'enterrer avec ces maisons. Tu avais une seule fille, ta fille est décédée. Donc, essaie de penser à toi-même. S'il te plaît. Voilà ce qui m'a choqué. La femme là a 8 enfants. Ndolé, quand elle a dit qu'elle est allée construire dans le village, on ne dit pas c'est toujours le Cameroun. D'accord, mais c'est le village de ce monsieur. Si elle n'avait pas connu le monsieur là, elle serait pas allée dans ce village. Elle est venue trouver une maison qui était déjà en fondation. Hein. Ah ouais? Ah bon? Oui, mais il faut suivre ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a dit. Le monsieur avait déjà commencé à construire et il y a la tombe de sa première femme à côté. Non! Elle a dit non. Ça. Non! Mais est-ce que le monsieur n'a pas marabouté la dame? Non, elle a construit la maison à sa belle-mère aussi, non? Est-ce que c'est toujours c'est celle-là, c'est une maison, pas deux. Non. Ah, d'accord. Mais est-ce que le monsieur n'a pas marabouté la dame? Mais comment est-ce qu'une femme peut faire toutes ces choses-là alors que toi-même, tu as ta propre famille? Mais il y a quelque chose. Elle a vu la tombe là. La tombe là, on voyait déjà le crâne de la femme là, le visage était comme ça, les dents. Non. Vraiment, mesdames, non, existe. Arrêtez d'aller investir chez les hommes. Sincèrement, si vous voulez investir, achetez vos terrains, allez investir sur vos terrains. Moi, je ne comprends pas comment un homme qui n'est même pas, qui est déjà en train de te montrer que il n'est pas dans la population, mais tu vas dans son village, tu vas jusqu'à construire dans le village. Les dames, arrêtez d'aller investir du côté des hommes. Elle a fait fort, hein? Oui. Ah oui, elle a brûlé après avoir brûlé la maison. Elle a fait la prison. On l'a mis en prison. La femme là vient de loin. Oui, oui, oui. Tu as vu maintenant, Julia. Donc, toi, tu n'as pas compris, tu n'as pas suivi le live là. Non, je suis des abonnés de la page de celle qui présente l'émission. Non, moi, j'ai mes gens, j'ai mes préférences. Je ne parle pas n'importe où. Julia, il faut être prêt. Parce que quand on est combattant, il faut être prêt au combat. Mais la dame là vient de loin. Oui. Moi, je la suivais elle-même dans sa page. J'ai fait les directs dans sa page. C'est là-bas où j'ai suivi son histoire. Non, la dame a beaucoup de souffrance. Moi, je te dis, la dame, elle a comment? Mais ça, c'est quel amour comme ça là que tu pars construire dans le village de ton mari. Et c'est la même chose que ma voisine congolaise a fait ici. Mais elle a dit à son mari que mes parents m'ont offert un terrain. Le mari est venu construire, il y a eu divorce. La femme a bénéficié de la maison. Le monsieur est clochard dehors aujourd'hui. Mais elle n'a pas binda avec le monsieur. Hein. Ils n'ont pas binda. Non, mais la femme a dit qu'elle est partie, elle a trouvé son mari à l'hôtel, à Ebolova. Ouf, et quand elle a vu son mari à l'hôtel, elle a fini, où c'est son mari, où c'est un truc comme ça, non.
C'était une autre histoire parce que les scènes de l'hôtel sont. Il y a la vidéo là. Oui, il y a la vidéo là. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc maintenant, elle dit qu'elle cherchait son mari. Elle n'avait pas les nouvelles de son mari. Et elle a démarré la voiture. Elle est quittée de Yaoundé, chez elle, pour aller jusqu'à à son village. Et son village, c'est après Ebolova. Arrivée là-bas, elle a trouvé que la maman du gars dormait déjà. Elle a réveillé la maman. Elle a mis la maman dehors. Et elle a mis le feu dans la maison. Dieu merci, elle a sauvé la maman au moins. Mais c'est ce que je dis que Dieu merci que la maman là n'est pas morte. C'est ça, hein? Ou bien une autre personne n'est pas morte. La colère, tu sais ce que la colère peut faire? Ah oui, ah oui. Dans une station, elle a mis le, elle a acheté le carburant. Elle a mis dans la voiture. Défiez-vous de la colère, hein? La colère peut te faire... Elle m'a supporté mes mains, dis donc. Mais quand toi-même, là-bas, ton mari va te... Mais c'est qu'il n'y a pas amour. Quand ça ne va pas, on est... Julia, Robert, moi, ce qui m'a étonné, c'est que la dame l'a dit qu'il n'y a jamais eu la binda. C'est-à-dire que comment un homme qui t'aime... Non, il y a quelque comment chose. Comment la dit que le gars là ne te... Mais durant tout ça, elle fait même tout ça, elle achète tous ces trucs-là, le gars ne veut pas la binda. Non. Mais tu continues toujours à acheter. Non, l'histoire là, il faut seulement Colombo. Colombo doit résoudre cette histoire là, vraiment. Oui, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais entendu ça. Un homme avec qui tu as discuté au téléphone, vous avez fait connaissance au téléphone, vous avez eu à discuter. Maintenant, tu viens en Afrique, tu viens maintenant au Cameroun pour le voir, quoi. Oui, elle partait normalement voir le mec. Mais le maître ne te regarde même pas. C'est-à-dire, malgré tous les tours, là, tout ouais, fait, là, le maître ne pose même pas la main sur ta cuisse. Rien. Et tu me soutiens ça comment? On soutient ça comment? Non, entre nous. Si au moins que le gars l'avait traumatisé avec la nièce, oui, la nièce peut faire un tour entre la tête. Mais c'est un homme qui nous raconte qu'il n'y a rien eu, même pas eu. Kousma Malama, il n'y a pas eu. Je te jure que c'est ça que... Maman, pourquoi la femme là n'a pas compris que le gars ne la veut pas? Moi, je ne sais pas. Parce qu'un gars, quand tu désires une femme, c'est d'abord la binda que tu demandes. C'est à la femme de dire non, je ne veux pas. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Moi, je ne comprends pas. Il y a un guise de roche. Il y a un guise de roche. Mais... Je te dis, moi, je ne comprends pas. Elle dit que non, elles n'ont pas binda. Elles sont même... Ils sont allés se marier. Ils se sont mariés. Ils n'ont pas binda. Non. Même pas les calais, rien, il n'y a rien eu, c'est ce qu'elle nous expliquait. Madame, c'est pas le cadre de Lolo. Maman, je comprends. Nous, on va supporter celui-là comment? Il y a les chibolos. Moi, je pense que... Mais le chibolo, c'est quelqu'un qui te prend dans les way, même dans la binda. Non, moi, je pense que le monsieur était là pour quelque chose alors. Parce que... C'est pas quelqu'un qui n'est pas connu. C'est un monsieur connu. Quel est l'homme qui ne demande pas la mbinda à une femme? Moi, je ne connais pas. Je ne comprends pas. Non, c'est pas la mbinda, maman. Et surtout une femme qui vient de Mbeng. Ah oui. La femme là est belle, hein? La femme là est mignonne. Hein? Oui, c'est une belle dame. Oui, elle est belle. Elle s'habille très bien, elle est très mignonne, ouais. C'est une belle femme. Là, je suis d'accord. Ah ouais. C'est une belle femme. J'ai vu les coupures sur chez Antoine Bachio, là, vraiment, c'est une belle femme. On a vu aussi que non, Ndolé, Julia, elle a dit que. Le monsieur, quand ils sont allés dans la chambre, il s'est passé, il y avait quelque chose. Et puis, la présentatrice ne voulait pas qu'elle avance, elle parle de ça vraiment. Il paraît que le monsieur lui a demandé de lui faire quelque chose qui n'était pas trop, voilà, catholique. En tout cas, soyons vraiment prudents, hein, soyons prudents et ne touchons pas aussi trop aux choses de mystique parce que, bon, le genre de femme, excusez-moi, hein, mais vous avez compris,
Mais c'est une histoire qui est très louche. Vous voilà, Nicole, vous voilà, vous descendez au Cameroun. Faites très attention, il y a les gigolos partout. Il va s'habiller en veste cravate. Il va te dire que je t'aime alors que rien. Et le mystique est aussi là-dedans. Cette histoire-là, le mystique est là-dedans. Tu ne peux pas investir comme ça là sur un homme. Il ne te fait même pas la bise. Il ne peut pas investir sur un homme, il ne te fait pas la bise. Ça veut dire que le monsieur là a fait le mystique pour que je veux qu'elle m'aime. Je veux qu'elle m'aime. Et la femme a pris toute sa tête, elle a mis dedans. Attention aussi, hein, le mystique existe. Hein. La femme a même dit que quand le matin, parce que à 8h, le monsieur était déjà chez elle. Donc, et le monsieur a suivi l'enfant qui est venu dans la chambre, l'appeler directement. Donc, c'est à ce moment que le monsieur l'a fini. Elle a dit ça. C'est sûr que le monsieur ramenait une force en lui qui est venu la finir. Parce que c'est après ça qu'elle a commencé à faire les choses. Elle ne comprenait pas. Ah oui. Ah oui. Le mystique est vrai. Tu ne t'assois pas au salon. Tu te diriges directement vers ma dame. Tu t'assois dans mon lit sans que je ne te... Moi, j'ai trouvé ça. C'est comme... Écoutez, c'est ce que notre soeur nous a expliqué. En nous expliquant ça, elle nous explique qu'elle est dans un grand village avec les vigiles, tout ce qui va avec. La patronne est arrivée. Elle vient en bête. Si le vigile dormait 5 heures, je suis sûr qu'il va dormir 1h30. Parce qu'à l'heure là, la patronne est là. Faites attention, réfléchissez, mettez-vous dans les places là. Ne jugeons pas que tu es à côté, tu regardes un film. Ma soeur, tu as ta maison au pays avec tes vigiles. Tu n'es pas là. Le vigile sait que la patronne n'est pas là, il peut dormir toute la nuit. Mais quand la patronne est là, tu penses qu'il va encore dormir comme ça? Non, non. Non, non, non. Il va être deux fois vigilant. Tout ce qui a été contrôlé, il laisse passer un inconnu qui n'est pas attendu. Il faut dire ça, hein? Il n'est pas attendu. Non, non, Dolé, non, 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 attends, attends. La dame a dit, non, la dame a dit... Ton histoire là, c'est un documentaire, hein? Attends, laissez pas. Attends. Non, la dame là a dit que puisque le monsieur était déjà venu dans cette maison... avant qu'elle arrive au Cameroun, puisqu'elle lui avait envoyé de l'argent. Quand elle a commencé à discuter avec le monsieur lui a parlé de ses enfants qui n'avaient rien à manger et tout, dont les choses n'étaient pas bien. Donc, elle a demandé au monsieur d'aller chez elle, donc dans cette maison en question, et d'aller récupérer, on lui avait remis 200 000 francs. Voilà. Donc, en gros, quand elle est arrivée maintenant au Cameroun, le monsieur est venu donc parce qu'il connaissait déjà cette maison. Allô? Depuis je suis là, j'écoute le direct, ce que la dame raconte là, on a déjà écouté ça. Je vais parler, s'il vous plaît. Je vais descendre. Non, mais c'est pour ça que je voulais dire à Dolé on a déjà compris ça. Tu es un peu là depuis. Je vais un peu parler, je vais partir, pardon, je suis au travail. Ceci beaucoup m'est monté, c'est par rapport à toi d'abord. C'est pas que j'ai un problème avec toi, non. C'est par rapport à ton intervention. Au fait, tu as parlé, tu dis que tu es féministe. Mais n'oublions pas que nous tous, on a aussi d'abord les frères, on a les petits, on a les grands frères, on a les enfants garçons, que quelque chose peut les arriver aussi de la même chose. On va dire que non, nous sommes féministes, même si c'est mon frère qui est victime, ou bien c'est mon fils. Je vais dire que non, parce que je suis féministe, non, jamais de la vie. Il faut qu'on se mette aussi du côté aussi des hommes aussi. Oh, c'est ton point de vue, tu as le droit de donner, j'ai le droit de maman, s'il te plaît, la mère, s'il te plaît, merci de m'écouter, pardon. Tu es quand même là longtemps, merci aussi de m'écouter, pardon. Donc, moi, je vais d'abord te dire que, arrêtons, tu peux être féministe, toi, parce que tu dis qu'il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Je voulais te dire que tu ne comprends pas beaucoup de choses parce que tu es déjà focalisé, que tu es féministe. Donc, nous, qui comprenons aussi, on connaît que tout le monde est aussi l'enfant de quelqu'un, c'est la même douleur de l'accouchement. Merci de m'écouter aussi. Merci aussi de m'écouter. Tu es quand même là, ça fait longtemps que tu es là. Merci aussi de m'écouter. Donc, ça fait longtemps que tu es là, tu parles. Donc, laisse-moi aussi parler, s'il te plaît. Donc, je voulais dire ceci. La dame, moi, pour commencer d'abord, je suis Bassa. Je pouvais me mettre dans le contexte que oui, je suis Bassa, c'est ma soeur Bassa, je la soutiens, mais je ne me mets pas dans ce contexte-là, jamais de la vie.
C'est une dame qui est déjà âgée, nous a parlé de son âge. Tu as parlé depuis, mais je t'ai pas entendu lui donner des conseils, dire que mais ce qu'elle a fait ou bien comme ça, jamais de la vie. Tu t'es seulement mis que non, féministe, machin, tu savais pas dire qu'on doit tuer l'autre. C'est le même sang qui coule dans les mêmes veines. Jamais de la vie. La dame, elle est partie dans la relation. Quand tu comprends la relation, tu comprends qu'elle est partie s'imposer avec que j'ai d'abord l'argent. Elle est d'abord partie avec le titre de Mbengis. Elle a l'argent. C'est d'abord ça qu'elle est partie d'abord avec. Elle est d'abord Mbengis. Et comme elle est petite, peut-être aller trouver un chop nanga, peut-être elle a jugé le mec, le monsieur n'a pas l'argent, elle va marcher sur la personne. Mais il y a certaines personnes qui sont pauvres, mais ils sont dignes dans leur pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas marcher parce qu'ils sont pauvres, qu'ils soient venus nous dire n'importe quoi, jamais de la vie. Il n'y a jamais eu de maraboutage dans ça. Jamais de la vie. Moi, je ne peux pas accepter ça. Il y a des maraboutages quand tu vois même que c'est un jeune, machin, tout comme ça, il y a même eu l'ambinda, il y a eu de ceci, il y a eu de ça. Mais elle me dit qu'il n'y a pas eu l'ambinda. Et je vais vous faire comprendre une chose qui est que voir quelqu'un derrière l'écran et voir la personne en face, c'est deux mondes différents. Elle peut voir une femme peut-être qui prend bien soin d'elle, mais quand elle arrive maintenant devant toi, ce n'est pas la même chose. Donc, en avant de que, machin, tout comme ça, là. Ce que tu parles, ma soeur, c'est ton problème. Supporte-la comme tu veux. Mais il faut apprendre aussi à dire aux jeunes que non, ne faites pas ça. C'est une dame quand même qui a vécu la première guerre mondiale en France. Ça veut dire que tu n'as même pas suivi ce que j'ai dit depuis. Tu n'as rien suivi. Parle, tu finis. S'il te plaît. Voilà. Laisse-moi ton aussi parler. De quoi je suis obligé de faire comme toi. Pour une dame comme elle qui est partie en rencontrer, non pour la première fois, tu n'as pas causé avec l'homme, tu ne connais pas son état d'esprit, tu ne connais ceci, tu ne connais rien de lui, tu ne connais même pas si c'est même d'abord un prédateur sexuel que peut-être il veut même venir, il se tombe, il trouve même tes petits-fils, tu commences à aller coucher. Tu le prends, tu le mets dans ta vie directement comme ça. Là. Il y a les choses comme c'est ça que le blanc dit qu'il faut étudier quelqu'un. Tu sais, quand il y a un certain nombre de vie, que quand tu as. Moi, je pourrais comprendre ça pour une jeune fille qui veut se, pour une jeune minette peut-être qui veut se caser, qui a peut-être qu'elle a trouvé son tas, elle va trouver son monsieur, qui va le mener. C'est une femme qui a vécu plein de guerres mondiales. C'est une femme qui a mangé beaucoup de Noël. C'est une femme qui doit nous conseiller. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber amoureuse. On tombe amoureuse, mais pas de cette manière-là. Et c'est une femme qui a voulu dominer le monsieur quand tu vois, même sa façon de parler, même leur relation. Elle a voulu dominer le monsieur. Un d'abord avec le titre que je vais t'amener en Europe. Je suis mariée, je suis française, je vais amener notre papier, je vais amener. Elle a fait vivre le rêve au monsieur. Peut-être elle aussi partie aussi là-bas en voulant faire que comme elle a trouvé peut-être le monsieur dans une situation précaire, c'est son petit agent de main qu'elle a ramené, voulait dominer. Mais il y a certains hommes que tu ne peux pas leur montrer ça. Quand tu dis que féministe, je vais encore te ramener encore sur un autre contexte, une petite anecdote, comme tu disais. Je vais te ramener. Je vais te laisser. Je comprends que tu as monté pour moi. Je vais revenir sur une petite anecdote, comme disait notre beau frère Francis Vemba. Je vais revenir sur une petite anecdote qui est que nous avons tous vu ici là une blogueuse, une personnalité publique, c'est une personnalité publique. Tout ce qu'elle vivait avec dans son couple, comment elle maltraitait le monsieur de truie, comment machin, truc comme ça, là, c'est elle qui est dans la maison avec l'homme. Elle dit comment est-ce qu'elle a voulu que l'autre homme doit lui faire ceci, doit lui faire cela. Maintenant, quand le monsieur maintenant part aussi dans les reculs, ça devient que d'autres personnes se mettent à la place de cette femme. On dit que personne n'est féministe. Jamais de la vie. C'est aussi dans le fond de quelqu'un. Il faut qu'on se mette aussi aux côtés des hommes aussi. Ce n'est pas qu'un féministe, arrêtez ça. Moi j'ai un enfant garçon. Si une femme maltraite mon enfant, j'ai les garçons aussi. Non, il y a aussi les garçons qui subissent aussi. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Et je vais le jour que tu comprendras que quand il y a discussion, chacun est libre de prendre sa position. Je ne suis pas obligé d'être avec toi. Ça ira mieux. C'est ton point de vue. J'ai le mien aussi. Ok. Oh. Les féministes. Vous avez fini. Andolé, tu as fini. Wabo le topo. Non, mais le truc, c'est que dans tout ça, il faut parler. En même temps, il faut sensibiliser aussi. Avant de dire qu'on est quoi que ce soit, on supporte ou on ne soutient pas.
Parce qu'on est tous dans le problème. Non, non, non. Vous savez, c'est pour... il y a un truc. Est-ce qu'on a pas le D'accord. Ok. Je disais que avant que on prend un ou un camp, on doit d'abord être neutre. Maintenant, mais puisque, ça veut dire que oui, ça veut dire que tous les jours, on est tous dans les réseaux sociaux. On entend les problèmes là tous les jours. Ici, c'est une manière de sensibiliser aussi, ma soeur. Maman, chaque jour, on fait les sensibilisations de ces choses ici. Tous les jours, on les prend dans les pièges. Vous allez dire qu'on peut, être machin, machin, mais non. Tu racontes quelqu'un dans les réseaux sociaux. Une personne connue. C'est pas une, personne non-née. C'est une personne connue. La première des choses, tu dois d'abord faire les enquêtes sur lui. Ça doit d'abord te frapper. Pourquoi vous trouvez que, excuse-moi un peu, pourquoi vous trouvez que l'histoire de cette femme, la femme-là ne peut pas être aussi manipulée? Alors que je n'ai pas dit qu'il y a déjà les cas qui sont passés sur les, réseaux et que les gens ont trouvé normal. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas manipulée. Je n'ai pas dit qu'elle ne peut pas être manipulée. Non, ce n'est pas toi forcément. Ndolé, ce n'est pas à toi forcément. Parle, par exemple, de la dame qui est montée tout à l'heure. Il y a déjà eu des cas qui sont passés ici sur les réseaux. Les femmes qui sont venues se plaindre. Comme quoi, les hommes leur ont fait, elles ont reçu ça, des hommes. Les gens ont trouvé ça normal. Mais est-ce que vous pensez que c'est un âge? Donc, quand on est vieille, on ne peut pas être manipulé en amour. Mais quand on est vieille, on a les choses qu'on nous interdit de faire. Je frappe pas. Oui. On va essayer pour nos enfants. Voilà que je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on s'est dit avant. Mais regarde alors, elle, il y a chaque façon à sa façon de voir les choses. Elle est donc tombée parce qu'elle s'est permise d'aller faire ce qu'elle a fait. Tu comprends? Elle n'a pas pris compte de son âge. Elle est tombée dans le piège là. Ok? On est d'accord. C'est ce que je suis en train de dire depuis. Que oui, je suis d'accord avec toi. Normalement, à un certain âge, il y a des choses. Mais moi, je ne veux pas juger cette dame. Plus de la juger. Moi, je ne veux pas la juger. Ma soeur, écoute-moi. Je ne suis pas en train de la juger. Mais je veux ce qu'on appelle en français la reprimité. Il y a déjà du monde. Moi, je voulais parler. Je voulais même déjà partir. Ok. S'il y a du monde, c'est Ndolé qui m'a dit. Elle voulait me dire quelque chose que Nicole, attends avant qu'elle parte. Je voulais d'abord là, parler à cette dame. Parce que ce n'est pas une jeune fille. À son âge, il y a les choses que j'ai interdit. Que ça arrive. Déjà, je ne fais pas cadeau. Ma soeur, tu comprends? Une femme qui a enfant, petit enfant, arrière-petits-enfants, elle doit être trois fois prudente et vigilante parce qu'elle a 4 générations à enseigner. Donc, je suis désolé. Rien que pour ça, elle devait la fermer et boire l'eau pour protéger ta génération.
Parce que c'est les gens qui pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à ses enfants, qui vont rester voir les vidéos de mamie, arrière-mamie, en train de danser. Aïe, mai, l'homme, l'homme, venez, gigolo. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, je m'arrête là pour le moment. Ok. D'accord. Allô? Oui. C'est oui, maman. Bonjour, Nick. Bonjour, maman. C'est ce que Dolé Miondo vient de dire là. Est-ce qu'il a raison? Plus. Fais descendre la dame qui est à côté là. Elle a déjà trop duré. Okay. Elle laisse les autres monter et parler. Fais la descendre. Dolé Miondo, c'est une vraie dame qui réfléchit, qui a enroulé sa bosse. Et ce qu'elle vient de dire là, c'est clair et net. Même une petite fille comme toi là, tu ne peux pas tomber dans le coup quand cette dame est tombée dedans là. Il n'y a pas de remède. La femme qui dit que remède, zéro remède. Mais le remède d'or, quand tu fais le remède sur quelqu'un, ça ne peut pas faire 2 ans, 3 ans. Le remède d'or. Pourquoi le remède a fait? Donc il n'y avait pas de remède pour aller brûler la maison. Hein? Non, dis-moi. Une personne que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Oui. Donc, il n'y avait pas le remède pour aller brûler la maison. On brûle une maison que toi-même, tu as souffert de beaucoup de fond. Hein? La femme, là, c'est une folle. Qu'elle reste tranquille. Qu'elle passe cachée même. Jusqu'à Lolo dit que donnez-lui l'eau. Je peux porter ma chance. Vraiment, hein? si j'étais sur la toile comme vous là, elle vient me voir, je dis que foutez le camp. D'ailleurs, je connais un agent comme Lolo. Dolé vient de dire la vérité et c'est comme ça qu'elle passe casée. Elle se cache. Elle a déjà trop changé. Depuis même l'année passée, elle parlait de ça sur son mur. Qu'est-ce qu'elle veut dire, raconter aux gens? Hein? Elle veut raconter quoi encore? Si elle a cherché son médicament, hein, qu'elle va mourir de ça. Le monsieur n'a rien fait. Rien que médicament, rien. Parce qu'il a vu le monsieur, il voulait prendre le monsieur son gigolo. Mais le monsieur l'a bien traité. C'est le gigolo. Elle a voulu que le monsieur devienne son gigolo. Mais Camerounais traité l'autre. Qui porte la veste le matin, midi, soir, qui va dans le bureau, en Awama, en Moignam, qui passe à la télé, tu vois le gigoloïsme comme ça. Vraiment. Vous parlez dans de quoi? Réfléchissez un peu. Qu'elle fait jusqu'à venir parler dans les réseaux. Elle fout le camp. Elle fait juste à dire qu'elle donne l'eau. J'ai ri le moment là jusqu'à l'ambulance. Je sais que notre soeur fait comme ça pour avoir ses vues, mais le problème de la femme, c'est qu'elle fout le camp. Bon, bonne journée à nous tous. Ok, maman. Fais-moi de ça, ma fille. Ok, je fais de ça. On va sensibiliser les vieilles femmes, on sensibilise les enfants, on sensibilise tout le monde. Vraiment. Dis donc. Vraiment. Vraiment. Sur Facebook, elle cherche les shows. Dis donc. Faut pas déranger les gens. Moi, là, je suis là, il y a les tofis qui me draguent tous les jours. Moi, je veux faire des rêves pour écrire mes reports. Quand je vois ça, je bloque. Bien sûr. Je bloque. Vraiment. Allô, Dolé Miondo. C'est juste pour, j'étais d'accord avec la dame qui vient juste de descendre là. On est fatigué de ces blessés de guerre. On est fatigué de ces vieilles mamans là. On est fatigué. Et ces vieilles mamans là qui sont en train de danser sur les réseaux sociaux, même que on se moque des Camerounais. Moi, je vais citer les noms. Rohale, Azine, Aline Zomombem. On est fatigué. Reposez-vous. Vous êtes déjà les vieilles mamans, les Aline Zomombem, laissez la jeunesse. Après demain, elle est partie. Aline, maintenant mon esprit se réveille. Elle est partie provoquer l'esprit 5 étoiles. L'esprit 5 étoiles en train d'insulter tous les Camerounais. On est fatigué. Aline Zomombem, tu es vieille. Tu dois déjà te retrouver au Cameroun avec les petits enfants, avec ta boutique. On est fatigué. Tu nous fais honte. Aline, tu me fais honte. Aline Zomombem,
tu me fais honte. Il faut te cacher. Elle est partie provoquer les Ivoiriens. Elle est partie provoquer Leslie Saint-Étoile. Leslie Saint-Étoile est en train d'insulter tous les... Elle est en train de masser les mains de son nouveau fiancé. Après, on va mettre un géant rouge. Les gens vont venir dire, soutenez, est blessée de guerre, c'est une blessée de guerre aussi. On est fatigué de vous la reposez-vous, laissez la jeunesse là qui vient d'arriver. Au moins, on va se rincer les yeux, on va les donner les conseils. Les Aline Zomombem, toi qui danses nu sur les Facebook, quels conseils que tu donnes aux enfants? C'est quel conseil? À quand Aline Zomombem fait ce truc, moi j'ai honte. J'ai honte du Cameroun. C'est quoi ça? Laissez la jeunesse tranquille. Surtout toi, Aline de Mombem, et toi, la maman de Suisse, là aussi. Laissez-nous en paix. Laissez-nous faire les dons. Faites les dons comme Compresso en train de faire les dons. Vous deviez déjà récolter les dons pour aller donner. Voilà la maf là-bas au Cameroun. Elle est en train de chercher quelqu'un qui doit lui montrer le chemin pour aller donner les dons. Oui, elle ne voit pas. Elle cherche quelqu'un pour lui montrer là où il y a eu naufrage. Elle ne voit pas. Vous êtes là en train. Aline, tu donnes quoi au Cameroun? Laissez-nous tranquilles en paix. Quand tu allumes ton téléphone, c'est Aline qui est en train de danser avec ses narines. C'est quoi? Laissez-nous tranquilles. Celle-là en Allô? Suisse, là-bas, anglophobe, anglophobe. Mais fichez-nous la paix. Comme la fille là vient de dire, la première guerre mondiale. Allô? Allô, bonjour. Maman, les organes de ça. Julia Robes, les organes. Bonjour. Maman, j'ai raté le direct. Je dis, je suis pour le féminisme. Les gigolos, là. Je ne suis pas pour eux. Oh, je ne suis pas pour les gigolos. Je suis pour le féminisme. Laissez la mère la pleurer son banzizi tranquille. Elle veut son banzizi, on l'a gigoleté. Elle veut son banzizi. Maman, je suis avec toi, va la trapper, tu prends ton banzizi. Parce que la matière, tu as investi pour ton banzizi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Tu vas pleurer ça toute ta vie, tu vas aller chercher ton banzizi. Banzizi là, maman, tu as investi pour ça, ma. Il ne va pas partir comme ça, oh ah. Bon, je vous laisse, bonjour, ma fille, enlève-moi. Bonjour, ah, ma, les vieilles mecs qui ne respectent pas leur âge. Jusqu'à elle fait même le direct et elle est là avec les rides jusqu'au cou. Elle pleure le banzizi alors que cette génération sont derrière en train de la regarder sur Facebook. Il n'y a pas un docteur pour la prendre en charge là-bas à Nice pour soigner sa dépression. Hein? Comment vous souriez un audit oral comme ça qui t'avait envoyé ici? Hein? Les esprits. Oui. Oui, non, est-ce qu'elle cherche même encore les esprits? Elle cherche d'autres clients. Parce que c'est, il y a déjà les jeunes qui sont versés dans son inbox maintenant. Elle cherche des jeunes cannes à sucre. Jusqu'à l'autre dit partager, elle est tombée, il faut les suivre, partager. La malédiction est quelque chose. Hein. Seigneur. La malédiction, c'est quelque chose. Depuis 3 ans que cette mamie pleure, elle n'a pas d'enfant qui dit que mes mamans arrêtent, on ne peut pas l'attacher quelque part. Mais elle a dit que ses enfants, elle fait embrouiller avec ses enfants, c'est la honte. Elle doit faire honte à ses enfants. Tu es déjà embrouillé avec des enfants, ça veut dire que tu as déjà touché le fond. Donc maintenant, tu prends du recul, tu avales, tu règles tes problèmes. S'il y a un partage à faire dans ton mariage au sein du Cameroun, tu le fais et puis tu tournes le dos. Tu as travaillé toute ta vie. Il y a des croisières pour les vieux, mais pas tôt. Va te faire, il y a des Brésiliens. Tu pars avec 200 euros, tu es le roi du pétrole au Brésil. Une bonne pinte, toi-même, elle ne va même plus se réveiller. C'est son cadavre qui va rentrer au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a de faire
fait chier le monde. La Camerounaise, vous ne pas dire, vraiment. Elle part au Brésil avec 150 euros de l'air, mais on dit, mais la fille, la femme, la scène. Elle écarte seulement les bazookas qui vont entrer là-bas. Elle-même, son cadavre va descendre en France direction le Cameroun. Ouais. Hein? Ça, c'est quelle honte que ça, elle se tienne de dire jusqu'à elle tombe l'autre aussi, l'autre oiseau de nuit de mauvaise obus. Partagez, partagez. Oh, là, je viens d'avoir. Balo, banani, kana, kanima, sont anéga, bosane, boulo, web, et les mandima, mouto. Les rides sont déjà jusqu'au couetou. Mais alors, au lieu de prendre du recul, elle ne connaît pas les croisières. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a l'argent. Elle ne sait pas se faire plaisir. Elle qui a fait Nice là, avec tous les boîtes de nuit de partout, des changistes, de tout, all-in jusqu'au Monaco. Elle ne connaît pas ça. Quand on les demande de s'intégrer, même sexuellement, même financièrement, même patriotiquement ici en Europe, non, elle cherche seulement l'argent pour aller construire. L'argent qu'on dit qu'on est intégré, hein. Tu peux avoir l'argent là et tu ne sais pas investir, la preuve. Mais la preuve, voilà la preuve, non, qu'elle ne sait pas investir. Ça devait être une femme qui a les appartements à Nice, dans la Côte d'Azur, partout. Tout son investissement est allé investir au Cameroun. Elle vient casser les oreilles. Pour qu'elle aille à Cuba, pour qu'elle s'est fait enculer, pour qu'elle dégage un peu de la vie. Elle n'a pas honte pour faire souiller ses petits-enfants. Maman. Allô. Allô. Oui. Ma soeur, toi qui parles à maman, vraiment, merci beaucoup. Tu parles très bien. Ça ne veut pas dire qu'on se moque d'elle. Mais c'est que, franchement, à un moment de l'on en a marre. Parce que maintenant, dans la toile, maintenant, côté du Cameroun, ce n'est que les vieilles mères là qui veulent occuper tout. C'est-à-dire qu'elles ont fait tout autant d'Ayudjo, elles ont fait tout autant de Oumyoba, elles ont fait tout autant de Mitterrand, elles ont fait tout autant de Dégol. Même maintenant, autant de Emmanuel Macron, elles ne veulent plus laisser la place. C'est pas possible. De manière Macron, elle ne veut pas nous laisser la place. Tout ce qu'elle fait là, c'est tout le tacage qu'elle fait comme ça là. C'est pas croyable. Dis donc, déjà 70 ans, 75 ans sur les épaules. Mangontama, tu vas écouter ce direct. Pardon, tu as dit que tu as travaillé toute ta vie. Tu as l'argent. Comme je disais, d'autres qui sont là-bas au Cameroun qui ont faim. Parce qu'on sait, les gens qui sont au Cameroun, ce qu'on fait maintenant, qui sont en train d'écouter, comment elle dit. Parce que quand elle parlait, c'est toujours que j'ai voulu aider, j'ai voulu donner, j'ai toujours. Ma soeur, elle fait les lancers, comment on appelle ça, paire de balles. C'est l'exercice qu'elle fait là, c'est le taper le chemin, elle veut maintenant recruter d'autres. Après, elle va encore revenir encore pleurer ici, là-bas. Donc, elle arrête. Tu vois, c'est une femme qui a manque de sexe. Elle veut tout ma. Mgontama, va au Brésil. Je te jure, tu amènes seulement 500 euros avec toi. Tu seras piné, je te jure, ma soeur. Le stress là va baisser. Ne pars même pas loin. Même au Portugal, ici, tu vas baiser. Je te jure, le goût de ça. Mais il faut seulement amener là-bas. Avant d'aller là-bas, va chez ton cardiologue. Comment vous pouvez parler comme ça à votre mère? Mais elle veut qu'on lui manque de respect, non? Il faut c'est comme ça qu'on doit choquer les vieilles là. Elle a voulu qu'on lui manque de respect, on va lui manquer de respect. Donc, elle veut monopoliser tout le monde. Je vous ai dit que cette femme-là, même quand tu entends sa façon de parler, avec autorité, avec elle, quand elle commence à parler, donc tu sens qu'elle voulait quelqu'un qu'elle va dominer, quelqu'un qui va là-bas, la personne part. Reviens pour ça, la personne. Mais ce n'est pas tous les hommes qui se laissent manipuler comme ça. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent. Même si l'homme n'a rien, s'il y a des hommes qui sont garçons, que même s'il n'a rien, il te dit que tu manques. Mon statut d'homme là, tu ne peux pas m'enlever ça. Il y a certains hommes, mais c'est là, comment je vous dis comme ça là? Je ne vois pas qu'elle vit avec là. Quand tu fumes, même la nourriture que je prépare, qu'elle veut me mettre sur les réseaux sociaux là, tu comprends comment on va me dire ce que je suis. Il y a certains hommes qui n'acceptent pas ça. Si vous avez vécu dans les réseaux sociaux, qu'il y a les blogueuses qui vous montrent comment elle publie d'autres hommes pendant qu'elle vit avec un homme, elle publie d'autres hommes dans les réseaux sociaux, elle donne les éloges à un autre homme et vous ne dites rien, vous ne vous appréciez ça. Et le jour où l'homme prend aussi la décision, elle devient que oh, il est mauvais, il a fait comme ça, il a fiché le camp avec ça. Moi, je ne suis pas féministe. L'homme voilà ma soeur. Il a bien fait. Il n'y a même pas le bobet, c'est ça. Donc, le bobet de l'homme n'était que la femme l'a construit et elle brûle encore la maison. Je vais vous poser une question. Je dis, tu vas donner le bobet à qui? Le bobet là, même que si le garçon n'a pas été chercher le bobet là, elle demande le bobet de l'autre côté, non? Quand elle se met comme...
Je ne sais pas encore les petits jeunes qui restent là. À un moment donné, qu'elle arrête, c'est quoi qu'elle pleure comme ça là? L'homme est parti, l'homme n'est pas parti avec ses blancs, l'homme n'est pas parti avec ses filles, l'homme n'est pas parti avec sa santé. Elle est bien, elle est encore en santé, elle est bien portante, elle est même, c'est même une maman très jeune et plus solide, elle peut rester dans autre chose. Mais quand je suis en train de vous parler, c'est que j'ai toujours donné, je n'ai jamais reçu, j'ai toujours aidé, j'aide beaucoup. Excusez-moi. Oui, on dirait quelqu'un qui est à la recherche de l'amour, de la reconnaissance, quelque chose, on ne sait pas quoi. Vous toutes qui êtes dans ce direct-là, tous les vous écrivez la vieille ou jeune là. Épargnez votre argent. C'est ça que je voulais dire. Mettez ça dans le monde de qu'elle arrête. Vous voulez le Wangala, le bien d'avion au Brésil ne coûte pas cher. Ah, comme ma soeur là, j'ai dit par là, vous allez trouver pour quelqu'un qui a photo sur Dieu, qui sont dans son inbox, en train de chercher le taclage, que l'ambengue, c'est la machine, c'est qu'elle a l'argent. On ne voit pas moi. Moi, je ne vous écoute même pas, il faut que je coupe. Il faut que je coupe, que je revienne dans le direct pour vous écouter. Je ne vous écoute pas. Comme je suis dans le. Je suis au quai là. Je suis au travail. Tout à l'heure. Ah, okay. Tu es au travail. Je te dis pas, Milo. Les clubs font vite fait et bien fait. Là, elle va même rajeunir. Les rides vont un peu baisser. Hein? Dis donc. Il faut aller au Brésil, hein, maman. Il faut aller au Brésil. Ça coûte avec 200 euros par jour. Tu as même 5. Tu rentres là-bas, toi-même, tu fais. Toi-même, tu vas dire que non, on m'a touché. Mais avant de partir, va chez ton cardiologue. Hein, parce que tu vas rester là-bas. Le goût de ça. Je m'en vais, moi. Pardon, madame Gontama, comme tu as déjà fini de pleurer, que ce soit les derniers pleurs, vas-y, reprends-toi, bouffe ton argent de retraite, fais-toi plaisir, fais-toi une carrière, et surtout une croisière. Les croisières, là où il y a beaucoup de jeunes, c'est souvent au mois de novembre, décembre. Là, tu peux te faire sauter dans ta cabine comme tu veux. Viens pas m'aider les gens. Hey, pitié et honte pour tes enfants, tes petits-enfants qui te suivent. Parce que le jour là où tu es tombé à la télé portatif là, elle est bien tombée. Elle est zéro tombée. C'est le spectacle. Elle va tomber. Elle est tombée. Elle est à l'hôpital. Vous avez vu. On a dit partager, faut la ventiler. Aïe, on va dire. Comme de la. Bob là, oui, partagez. On est en train de mourir. Vous allez mourir. N'importe quoi. Vous pouvez mourir. Ok. Ma, je t'ai donné le réseau dans les croisières pacifiques. Ou, comment on appelle ça? Américain là. Au mois de novembre, décembre, maman, c'est le sasayé. Là-dedans, même, il y a les waka hommes. On va te faire ça toi-même, tu vas sortir de là, hein. Tu seras heureuse, tu vas oublier ton journaliste là au Cameroun, tu vas même lui donner tous tes biens. Donc, ni moi, je m'en vais. Et oui, rire. C'est aussi valable pour Nolé, mais on doit tout là. Si ça vous chope là, partons au Brésil, le billet d'avion est moins cher. Vous avez raison, les enfants. Il ne faut pas qu'on vous emmerde avec les gros trucs. Voilà, je vous dis. Voilà, Zomobé, qui a fait de caresser les noyaux de son fiancé. Elle change ça tous les jours. Maman. J'ai vu ça chez Basso. Après, elle va venir encore. Dire que. On l'a partagé. Vous allez venir soutenir féministe. Allez lui conseiller. Quand tu as besoin de voir ce qu'elle fait là, elle est dans la voiture, elle a appuyé les noyaux. Aïe, bande, on est dit, allez, mais sur les réseaux sociaux.
Allez, ouais, maman Gontama, si je suis Dieu avec toi, c'est pour que tu te réveilles. Il ne faut pas te brouiller avec tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants pour un os. Les os coûtent moins cher. En plus, tu es en Europe. Même là-bas, à la Côte d'Azur, il y a des clubs échangistes pour les gens âgés. On te caresse un peu bien, tu mords la... Si tu as même le dentier, tu enlèves, tu se... Tu rentres dormir, n'ailleurs, tu n'embêtes personne. Comme ça, ça va même te déstresser. Hein, ma mère, tu entends, non? Arrête le ridicule de passer tout le temps où tu payes la pisseuse, la passer dans ces émissions, où tu tombes, on dit partager, partager. C'est une honte. C'est une honte, vraiment. Et tout. Bon, Kenny, bah, tu es trop belle, ma fille. Bien naturelle. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je suis là, je suis déjà là. Oui, c'est comment? Bien. Bon, les vieilles mères là, on est vraiment fatiguées, on en a marre. J'ai vu une vidéo de TikTok où elles sont parties s'associer là-bas pour parler de la nièce. Moi, j'étais choquée. C'est pas possible. Oui. Elles ont souillé le Cameroun, c'est-à-dire que déjà, à cause des vieilles peaux, là, comme on dit les Aline, tout ça, là, et consorts, là, on a déjà une très mauvaise image. Mais le fait que les Ngala sont encore allés s'asseoir sur TikTok, fait un live où elles invitaient les hommes pour dire que oui, celle-là, elle pine bien, l'autre, là, elle pine bien, et des vieilles mères, les vieilles mères des temps d'Aïdjo, là, elles étaient tellement vieilles, il fallait voir le live sur TikTok. C'était choquant. J'étais sidérée, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais attends, comment on appelle ça, la cybercriminalité sur les réseaux sociaux, là, je sais pas s'il n'y a pas un système de protection quand même, parce que c'était grave, c'était honteux. Je pense que même les Ivoiriens, comme en ce moment, ils sont en train de nous clasher, là. Les Ivoiriens ont pris ça pour nous laver, encore rincer, habiller, on ne pouvait même pas parler. On pouvait même pas parler. Quelle est cette histoire que vous voulez montrer, quoi? Vous êtes les plus grandes pineuses de la planète Terre ou quoi? Vous pensez que vous aimez trop le plantain, là, parce qu'elle est qui même, non, dis donc? Les vieilles peaux comme ça qui n'arrivent pas à se respecter, elles sont déjà des arrière-petits-enfants. Vous venez encore vous exposer sur la toile, vous faites comme si... Mais attends, franchement, on est fatigué, on doit interdire les dames là au direct, on doit même saisir le téléphone à ces vieilles peaux-là. Gago, tu as un gigolo qui est plus rusé qu'elle. Il choit tous ses dos, elle vient, elle se met à la soi-disant télé, elle crie, elle pleure quoi, dis donc, elle pleure quoi. Moi-même qui suis jeune fille, le mouvement où la Ngala explique piège, je ne peux même pas tomber dans le genre de piège là. Oui, oui. Le genre de piège là, je dis même ma mère qui a 55 ans, elle ne peut pas tomber dans le genre de piège que la femme est tombée. D'après même ce qu'elle explique, même quand elle explique, même on se dit, tiens, c'est bizarre. Déjà, tu n'as jamais nié quelqu'un, tu n'as jamais vu quelqu'un, mais tu dis déjà les choses que tu as déjà faites, mais on se pose des questions, on se demande que, mais attends, toi, il vient, Coco, tu es parti, reste là-bas à Nice. Ou ça à Monaco, je sais pas quoi. Tu as roulé ta bosse, tu as joué la vie, tu es vraiment même l'argent que tu as donné aux journalistes là. Elle a pris l'argent là où pour donner tout ça aux journalistes là. Vraiment. C'est dans le piment, non? C'est dans la pimenterie. Elle partait dans la pimenterie toujours pour aller chercher les doses jusqu'à ce qu'elle gigolait. Observe, c'est pour ça qu'on dit parfois l'argent mal acquis. Hein. Ça finit toujours très mal. Quand tu as l'argent mal acquis là, tu vas toujours voir, ça va toujours s'évaporer. Comme ça, tu ne vas même pas comprendre comment ton argent est parti. Les vieilles bordels, là, laissez Facebook aux jeunes. On est fatigué de vous, les vieilles mères, là. Avec les rides, on les voit comme ça. Même la présentatrice de la télé, là aussi, franchement, elle a fini avec Ngoé. Non, elle t'a exposé la main. Elle a exposé la femme, là. Elle devait dire que non, la mère. Va prendre des sciences avec un psychologue. Tu vas expliquer ton problème. On va t'aider. Fais une thérapie. Que de venir l'exposer à la télé. Elle va parler quoi? Elle va sensibiliser quoi? À qui ici, dis donc? C'est ridicule. Elle est venue se faire ridiculiser. Mais si elle savait même. Elle n'a même pas les enfants. Moi, si j'ai le genre de ma tête, là, je ne te parle plus. Hein. Depuis 3 ans, tu pleures un jour, mon frère. Depuis 3 ans, on peut le pleurer le Lumbangzi. 3 ans. Bon, Aline, toi, ton cas est déjà laid. Ça dit que c'est même le cas désespéré. On ne peut même plus parler. Ton nouveau audio là, pardon. Il faut nous épargner. Pardon, aie pitié de nos yeux. On est fatigué. Ne venez plus nous crier les yeux. On ne veut plus vous voir. Franchement, on ne veut plus vous voir. Ferme même ton Facebook, dis donc. On va respirer, dis donc. Vraiment. Ferme ton Facebook.
Le live sur TikTok, je vous assure, c'était un scandale. Cherchez le live, là, Nicole, tu vas voir, c'était un scandale. Ouais. Mais quand je te dis un scandale, tu voyais comme ça, tu te mettais les mains à la tête, tu attrapais tes cheveux, tu disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, en fait, chez nos mamans? Vous ne pouvez pas venir faire des lives pour sensibiliser les jeunes? Toujours en train de parler des hommes, toujours en train de parler du manzizi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'image du Cameroun, des femmes camerounaises, doit être toujours rattachée à faire de bandana, machin, ceci? Pourquoi vous voulez toujours rattacher l'image de la femme camerounaise à ça? Il y a des endroits, Nicole, je ne te mens pas, même ici à Paris, il y a des endroits où tu passes, tu as honte même de dire que tu es camerounaise. Ouais. Parce que dès que tu vas dire que tu es camerounaise, maman va dire, hey, les filles là, non, elles ne sont pas bien. Mais rassurez-vous, toutes les Camerounais ne sont pas comme ça, je suis désolée. Il y a juste une petite minorité des vieilles rombières, là, des vieilles rococo, les gars qui ont raté leur vie, là, qui nous pourrissent la vie, qui nous gâtent même le chemin. Ça dit, tu te mets même quelque part, tu as même peur de dire que tu es Camerounais. Tu te mets quelque part, tu as même honte de dire que tu es Camerounais. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, ouais. Le temps qu'on, après quand l'autre là-bas dit qu'elle veut qu'on la compte parmi les vraies blogueuses du Cameroun, soi-disant la télé, mais il faut trier les sujets que tu veux aussi exposer dans ta soi-disant télé. Oui, il faut que tu tries au moins les sujets que tu vas venir exposer à ta télé. Même pour ton image à toi en tant que présentatrice, pour ton image à toi, quelle est l'image que cette vieille peau là va véhiculer aux gens? Elle veut pas des gigolos, mais ça c'est même plus affaire des gigolos ce qu'elle a fait là. Là, c'est même au-dessus, ça dit que mais ça dépasse même les frontières. Elle va prendre quoi aux jeunes filles à partir acheter les hommes? Son histoire, là, attends, dis-moi, on va tirer... Quelle est la leçon, Nicole? Dis-moi, quelle est la leçon qu'on va tirer de l'histoire de la vieille peau qui est passée à la télé? Rien. Franchement. Non, c'est pas possible. C'est incroyable. Une mère comme ça qui a des petits-enfants même, elle peut m'avoir des arrières. Mais elle est là, elle vient trois ans. Mais tu perds trois années de perdu dans ta vie, c'est énorme. À parler juste d'un monsieur qui est là-bas au pays, il perd sa vie, il vit lui. Il s'en fout, il ne sait même plus si tu existes, il ne veut rien savoir de toi-même. Tu es tout là, tu es bloqué sur le Joe, mon frère. C'est quoi? Donc, dans tout l'Isse, où c'est Nice, où elle est, où c'est à Monaco, là, il n'y a pas les Joe là-bas. Qu'elle vaut même sur les sites de rencontres, non, dis donc. Go sur les sites de rencontres, tu vas rencontrer les Joe là-bas, gars, tu vas te mettre bien, c'est comment? Même ici à Paris, il y a les gigolos. Viens même ici à Paris. Beaucoup les Camerounais ici ne travaillent même pas. Viens à Paris là. Ils sont là, ils chôment comme ça. Viens là, tu vas les trouver. Ils sont pleins. Ils vont bien te mettre. Qu'est-ce qu'il y a de venir emmerder les gens? On est fatigué. Je vois l'autre qui dit en commentaire que ma soeur Barante Lolo Oprah vous dépasse. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Mais non, mais attends. Non, mais ça c'est vraiment... Ça dit que vous voyez les choses, quand vous venez en commentaire comme ça, quand on va vous répondre, vous allez dire qu'on est aigri, on est ceci, on est cela, on est cela. Elle peut dépasser qui? Quand on parle des vraies influenceuses en tête des listes, même le trio, elle ne sort même pas dedans. Qu'est-ce qu'elle apporte à la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce qu'elle a fait pour le Cameroun? C'est ce que vous venez vous parler, même celui qui s'est saisi beaucoup en commentaire, là, c'est même qui ça? Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est le scandale, la télévision de la haine. On demande qui a dit ça, c'est New Buzz. J'ai dit que c'est la télévision de la haine. Oui. Tu veux intervenir? Bonjour. Tu veux intervenir? Oh. Ok, attends un peu. Attends, madame, attendez. Oui, parle-moi. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, je voulais acheter un peu de l'eau parce que la dame qui est au téléphone n'a pas, par rapport à la présentatrice qui accepte. Qu'on vient intervenir n'importe quoi dans son téléphone, parce qu'il ne peut pas être télévision. Mais ce qu'elle doit comprendre, c'est que la personne qui est représentative devrait avoir quelle image? Elle n'a pas d'image parce qu'elle n'est plus grossière, elle est d'une grossièreté fatale. La représentative ne peut que promouvoir ce qu'elle doit faire. Parce que la représentative n'a pas d'image. Elle même dans ses directs pour taille, passe son temps à faire des rapports, des gros mots, elle est la plus grossière de la planète. Elle est pas elle, elle est de la même génération que ces dames-là, ces mamans qui sont à TikTok, qui salissent l'image de la jeunesse. Parce que même la présentation n'est pas un exemple. Parce que je n'ai jamais vu un direct où cette femme ne raconte pas des grossièretés, où elle ne dit pas des gros mots. Elle a des directs où c'est vraiment. C'est très. C'est ça donne envie de vomir, en fait. Qui salit l'image
l'image du Cameroun. Elle est très vulgaire, cette présentatrice. Elle veut que qu'on voit ce qu'elle fait elle-même. Parce qu'elle ne peut pas se qualifier en tant que présentatrice. Une présentatrice doit d'abord être un modèle. Une présentatrice doit promouvoir par son comportement personnel. Elle doit d'abord montrer un exemple. Une présentatrice ne doit pas se mettre tout le temps dans les directs en train de raconter des histoires d'épines à gauche, en train de raconter des histoires bêtes, en train de sa vie elle-même, en train d'être attachée partout, en train de venir avouer qu'elle est polyandre. Vraiment, on ne peut pas l'appeler présentatrice, ma chérie. Je suis désolée parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas le prendre comme un exemple. On ne peut même pas essayer même de faire de lui prendre, de dire que bon, de l'appeler présentatrice parce qu'elle ne mérite pas ce nom. Tu vois un peu. Bon, c'est ce que je voulais renchérir par rapport à ma soeur qui au téléphone qui parlait que la présentatrice va venir, elle s'assure sa télé. Parce qu'elle-même, présentatrice, se souille d'abord les gens elle-même et tu vas me parler des présentatrices. Elle va s'auto-proclamer ou pas. Elle a déjà vu au point faire des directs et dire comment la pine est montée, comment le bazooka est descendu, comment est-ce que. Quand on veut prendre des exemples des gens, comme ceci, on doit promouvoir ce que on doit faire comme ces personnes qu'on veut prendre dans parce qu'on veut prendre comme exemple. On ne doit pas venir promouvoir des conneries, parce que moi, je sais que ça se sache, elle est contre elle, mais vraiment, depuis que ces femmes sont sur Internet, on ne peut pas s'identifier à elle. On ne peut même pas le prendre comme exemple. Parce qu'elle n'a jamais rien fait de positif. Rien. Elle n'a jamais rien fait, c'est ce que le peuple camerounais a vu. Elle n'a jamais rien fait. Ce n'est pas de la haine. On dit tout simplement la vérité. Elle n'a jamais rien fait de concret jusqu'à ce que tu peux rester comme ça. Tu dis que oui, cette femme-là, en tant qu'influenceuse, elle a impacté la jeunesse camerounaise. Elle a fait ci, elle a fait ça, on n'a vu rien du tout. Si ce n'est que la gueule, crier, aboyer, oui, ça on sait. Je crois qu'il faut qu'on lui donne la médaille pour ça. Ah oui, pour les cris, elle est championne. Il n'y a pas son deux pour crier sur la toile. Ça, c'est clair. L'état de la médiocrité, parce qu'effectivement, cette présentatrice peut avoir la médaille de la médiocrité. Parce qu'il faut se dire la vérité, depuis que cette femme est sur Internet, franchement, je ne peux pas, même si on fait une grosse auto, on interviewe les gens, les jeunes, qu'est-ce que cette femme a amené pour qu'est-ce que cette femme a donné comme conseil à la jeunesse? Qu'est-ce que cette femme a déjà fait pour édifier la jeunesse? Franchement, qu'est-ce que cette femme a déjà fait? Elle a dit une fois qu'elle est partie au Nodal de manger. Je suis désolée. Ça, c'est des conneries. Qu'est-ce que ça dit? Même de par sa prestance, même sa vie privée, même sa façon de parler, même ses agissements. Non, attendez. Quand vous l'appelez même pour t'attendre, vraiment, ça me fait très mal parce que quand on dit qu'on doit essayer de donner des exemples à la jeunesse camerounaise, nous sommes des jeunes, c'est vrai, mais nous, quel est l'exemple que cette femme-là nous a déjà donné en tant que jeune? Quel est l'exemple qu'elle nous a donné? Que dalle! Rien de là. Que dalle! Je te dis. C'est des conneries, en fait. Donc, merci beaucoup, Nico. C'est ce que je voulais, ma chérie, par rapport à la dame au téléphone. Merci. Ok, merci. Merci, madame. C'est gentil. Oui, Nicole, tu vois même sa posture, même quand elle s'assoit à la télé, elle a tous les pieds écartés. Elle a un problème d'écartement, cette dame. Elle s'assoit comme ça, ferme tes pieds, croise tes pieds, ne baisse pas les épaules, lève le torse, c'est toi qui présente l'émission. Tu te baisses comme ça, je ne sais pas où c'est les lolos là qui pèsent beaucoup plus que toi, même je ne sais même pas où c'est, qu'est-ce qui t'arrive. Non, mais tu sais, on peut s'améliorer, on n'est pas parfait, on apprend tous les jours. Regarde comment d'autres présentatrices se tiennent quand elles sont devant la télé. Par exemple, Emmanuel Keita, qui est une influenceuse ivoirienne, regarde comment elle se tient quand elle présente son émission Mood by EK. Regarde comment elle se tient. On a Connie Touré, on a plein même chez nous les présentatrices. Regarde comment elles se tiennent quand elles sont devant face aux caméras, quand même. Bon, Pipi, de toute façon, on n'est même pas sur toi, je ne vais même pas t'insulter, pardon. On n'est pas sur toi ici. On est sur les vieilles peaux là. Nicole, il faut prendre la vidéo des femmes là sur TikTok. Il faut sensibiliser les mamans là. On est fatigués. Vraiment, vous les nouvelles influenceuses là, ne nous laissez pas vraiment nous perdre comme ça. Rattrapez ce que les vieilles peaux là sont en train de faire.
parce que c'est très grave ce qu'elles sont en train de faire. Non, vraiment. Normalement, le gouvernement même devait même intervenir dans cette affaire. Tu vois des vieilles... Je dis, ouais, tu voyais leur visage. Je vais chercher la vidéo, elle va t'envoyer dans ton inbox. Okay. Des vieilles mamans, ça dit qu'il n'y avait même pas... La plus jeune parmi pouvait même avoir même 50 ans. Je te dis, des vieilles pauvres. Des vieilles mères. Mais quelle image! Quelle image vous donnez vraiment au Cameroun? Quelle image? Vous salissez la femme africaine. Vous salissez la femme camerounaise. Parce que quand même, les Blancs vont voir ça. Ça, c'est quel genre de... C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens sauvages-là? Non, mais attends. Tout ce qui est mauvais, ça doit être pour le continent, mon frère. C'est quoi? On est fatigués. Les gars, nous, ont relevé quand même notre image au monde entier. Gars, nous, a levé tout un monde entier pour soulever le drapeau camerounais. Et vous, les vieilles rombières, vous voulez venir nous mettre, vous voulez venir nous enterrer, dis donc. Vous voulez venir nous diminuer, nous rabaisser aux yeux des autres. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous laisser faire. Ça, au moins, c'est ça qui est clair. On ne peut pas vous laisser faire. Regarde, par exemple, même l'autre, la Manganda, qu'on va appeler, elle va venir insulter, elle va babader ici. Elle-même est dans ses nuits ici, partout là-bas, sur ses directs. Les fesses étaient toujours dehors comme ça. J'ai dit, tu vois l'image que ces gens-là nous donnent sur les réseaux sociaux, mais tu restes comme ça, tu es dépassé. Tu es dépassé, tu te dis, merde, attends, si c'est ça le blog, nous tous, on va fermer le blog là. Parce qu'aujourd'hui, Nicole, les enfants à 15 ans, ils ont déjà le téléphone, 14 ans, ils ont déjà le téléphone. Est-ce que tu vas contrôler un enfant à 14 ans qui a déjà un smartphone, qu'il va, il ne va pas sur Facebook? Madame Gore, on est fatigué de toi. Laisse un peu le sujet de depuis 3 ans là. Fous-nous la paix. Si ça ne va pas, on t'a amené beaucoup de problèmes. Va dans les clubs échangistes. Tu vas là-bas, tu vas trouver ton compte de la mère. Sinon, tu risques de faire un ABC et c'est ta famille qui va perdre. Donc, laisse-nous un peu tranquille. Laissez-nous un peu tranquille. Arrête, évitez, pardon, on vous en supplie, on se met même à genoux. Pardon, on vous en supplie, les vieilles peaux. Laissez-nous, ne nous salissez plus. Pardon, on est à genoux, on vous demande pardon. Si vous voulez faire vos trucs, pardon, créez les groupes WhatsApp même. Mais ne venez pas en direct pour dire que vous cherchez qui va vous niasse. Voilà, celle-là niasse bien, celle-là niasse. C'est vraiment, c'est horrible. C'est vraiment déplorable, c'est lamentable. C'est lamentable. La femme africaine, je sais pas, vous ne connaissez même pas la définition. D'abord, être une femme, c'est une grâce déjà. Respectez-vous au moins. Respectez-vous. Makoukou, alors, elle a débloqué tous les niveaux. Pour Makoukou, alors, laisse tomber. Elle, alors, c'est le higher level. Ça dit que Makoukou, c'est les... Makoukou, elle, je ne parle même pas de passer pour elle-même. Non, je ne pense même plus que là-bas, dans la tête de Makoukou, là, tout est en place. Là-bas, même, tout est gâté, là-bas, même. Pour elle, alors, j'avais vu même un direct où elle était en sous, même, elle était même en direct comme ça, même à moitié, même habillée, à poil. Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Toujours les Camerounaises. On a même changé de nationalité, mais les origines restent. On est fatigués de vous. Là, on vous fuit même. On est fatigués. Vous nous fatiguez. Vraiment, vous. On en a marre. Il faut vraiment qu'on se lève, nous tous. Vraiment, Nicole, il faut parler pour ça. Il faut sensibiliser. On ne veut plus les voir dans la vulgarité. On ne veut plus voir vos vieux, vos pauvres relatés là, vos pauvres froissés là, que vous venez tout le temps nous montrer pour nous maudire sur la toile avec ça, dis donc. Tu vois une gars qui dit que son côté déjà froissé. Eh bien, mets ça sur Facebook. Ils font les lives, on les voit, dis donc. On est fatigué avec vous. On est fatigué. Bon, laisse comme ça. Va t'occuper de tes petits-enfants. Rentre au pays. Tu ouvres ta petite boutique. Tu t'assois aussi là-bas. Tu manges aussi ton argent de la retraite que tu as travaillé. Oui, maman. Mange, va t'assois. Tu manges au moins ta retraite, non? Tu vas pleurer le banzizi dans toute ta vie de la retraite, là. Tu vas pleurer qu'un seul homme. Quand on regarde le journaliste, là, il ressemble à quoi, la mère? Il n'est même pas beau, hein? Le Dieu, là, n'est même pas beau, dis donc. Ok. Il n'est pas beau. C'est dans ton dernier mot. Là, okay. D'accord, je vous laisse. Je vous dis seulement que la jeunesse, pardon, quand vous êtes sur le méta, sachez quoi prendre vraiment comme, je ne sais même pas, comme conseil. Il y a des gens que vous pouvez encourager, vous pouvez suivre dans leurs œuvres. Ceux qui sont dans les œuvres humanitaires. Quand la mafo, que tout le temps on voit, qui est vraiment, vraiment très sociable. Tant que quand un problème, elle parle, elle aide, elle a besoin, c'était l'autre, elle est dans tous les deux, elle soutient les gens, elle soutient la jeunesse, comme elle peut soutenir la jeunesse. Comme ma pépé qui est aussi là, soutient aussi son association. Suivez des exemples comme ça, là. C'est ça qu'on vous demande. Laissez la bêtise, évitez tout où il y a tout ce qui est bêtise là, ne les suivez même plus. Désabonnez-vous de vos des pages de ces vieilles rombières là, parce que c'est même vous qui les encouragez même. Quand vous les suivez, là, vous les donnez même encore le pouvoir de venir encore nous humilier davantage. Donc, vraiment, Nicole, merci beaucoup pour le direct. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une très bonne journée. Bye. Merci à toi. Merci. Merci.
Bon, merci à vous. Merci. C'était un peu après pour ce direct que je devais faire à cœur ouvert, mais j'ai vu les gens montrement faire. C'est-à-dire que bon, je vais venir faire un petit live ici, mais ça a mis long. Mais on va revenir sur le direct sur à cœur ouvert. On va revenir sur le direct à cœur ouvert parce qu'il faut qu'on sensibilise par rapport à ça. Je vous remercie. Ciao, à tout à l'heure. Bye. Bisous.